Mettre un petit peu de baume au cœur, comme tu l'as dit, à tous nos auditeurs. Penser un petit peu à autre chose. Avec Eddy Amari également. Salut. Bonsoir Manu, bonsoir à tous. Donc, c'est plus sobre, on a dit hein, l'intro. Il n'y a pas eu de cri à l'Argentine, il n'y a pas eu tout ça. Non, surtout pas. Et, restez sobre, c'est principal. Et j'en profite surtout pour exprimer un énorme soutien aux familles et aux proches des disparus de cet attentat, enfin de ces attentats plutôt. Tout à fait, tu fais bien de le préciser. Monsieur Linden Lutello est avec nous, mais juste avant, il y a un revenant dans cette émission, chers amis. Valentin Paris a décidé de prendre une bonne résolution pour 2015 et de nous accompagner sur IDFM Sport. Salut Valentin. Salut Manu, salut l'équipe. Bon, bah oui, je suis toi le jeune journaliste, et tu as pris de l'expérience cette semaine, on peut le dire. Une grosse claque, mais bon, voilà, on est là et je serai là jusqu'au bout. Eh bien, c'est une bonne nouvelle, mes amis. 2015 commence très bien. On vit ensemble, on meurt ensemble. Voilà, ça c'est c'était 2006. Ça, c'est beau, ça. C'était la devise de 2006. Ça sera peut-être la devise de 2015, voire de 2016. On en parlera peut-être dans les émissions à venir pour cette nouvelle saison et cette nouvelle année. Monsieur Linden Lutello, comment allez-vous? Salut, bonsoir. Bonsoir tout le monde, ça va très bien. Je suis content de vous voir en 2015, ça fait plaisir. C'est vrai, première émission de la rentrée. On vous a concocté en tout cas un très 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 beau programme. Manu, Greg disait, on vit ensemble, on meurt ensemble. Je me permets de m'ouvrir un peu plus personnellement. Je suis français, musulman, d'origine algérienne, et ça fait 3 ans, comme tu le disais, Manu, exactement, qu'on est à l'antenne, et 3 ans que j'ai cette chance-là de partager l'antenne avec des amis juifs, chrétiens, blacks, blancs, beurre. Et tout simplement... Et Corse. Et Corse. C'est français. Tout simplement... Tout simplement, merci à la France, merci à la République de me permettre de faire quelque chose que j'aime, avec des gens que j'aime, dans un pays que j'aime. Voilà. Eh ben c'était très très plaisir beau. Plaisir partagé. Merci beaucoup, plaisir partagé, tout à fait. C'est vrai qu'on est un petit peu à l'image de ce beau melting pot. Exactement. Il manque un Chinois. Voilà, alors si jamais il y a un auditeur asiatique, hein, bien sûr, passionné de sport, il peut venir participer à cette émission. On va justement se tourner un petit peu vers le sommaire de cette émission, mon cher Linden. Et c'est quoi le programme aujourd'hui? Le programme, alors ce soir, on va débattre sur plusieurs choses. On peut dire ce soir maintenant. Ce soir, exactement. Ça fait plaisir, j'en profite, je vais dire ce soir, bien sûr, avant de commencer, vous pouvez rejoindre notre page Facebook IDFM Sport. C'est facile, c'est IDFM Sport, facebook.com IDFM Sport. Soyez nombreux à nous rejoindre, on va débattre sur cette page. Vous pouvez aussi nous appeler au 01 34 12 12 22, 01 34 12 12 22 pour pouvoir débattre en direct. Et le programme, parce que je sais que tu l'attends. On va commencer par la Ligue 1. Donc on va parler de ce retournement de situation qu'on a pu assister donc ce week-end pour la 20e journée. Donc on va parler de l'Olympique Lyonnais, de l'Olympique de Marseille et du Paris Saint-Germain. On va avoir 2 tutos que j'aime beaucoup qui vont être au téléphone avec nous. Donc on vous en dira plus par la suite. Ensuite, on va parler d'un clash qui se passe en Europe au FC Barcelone. Messi, maître du monde, on pourrait l'appeler MMM. Est-il le nouveau président du Barça? Est-il le nouveau président du Barça? Donc bien sûr, je parle du clash entre Lionel Messi et Luis Enrique. Et pour terminer, ça va faire plaisir à notre ami Greg Drouya, la millième. Eh ouais, Roger. Je sais pas. S'il serait britannique, on aurait dit Sir Roger. Ouais, tout à fait. Eh ouais, la millième. Est-il le meilleur de tous les temps? C'est le débat qu'on va vous proposer. Donc n'hésitez pas, je rappelle, à participer aux 01 34 12 12 22 et bien sûr sur idfm98.fr ou encore sur notre page Facebook IDFM Sport. Allez, un seul numéro, 01 34 12 12 22. Comme vous l'a dit, Linden pourrait agir sur IDFM 98FM. IDFM Sport, c'est l'heure. Et justement, il y a un match qui a commencé depuis 36 minutes à peu près. Oui, c'est ça, on approche un petit peu de la fin de cette première période. On va faire un petit point score avec notre ami Valentin. Alors, on en est où entre Bordeaux et Monaco? Donc, comme tu disais, à peu près 35e minute et toujours 0-0 entre l'AS Monaco et les Girondins de Bordeaux. Ça avait très très bien commencé avec 2 énormes occasions en 2 minutes et de part et d'autre. Et pour l'instant, le rythme est un petit peu redescendu. Mais en tout cas, toujours 0-0, je vous préviens dès qu'il y a un fait de jeu très important. Tu nous dis tout ça, bien entendu, on reviendra vers toi. Le nom de Manu à Monaco, c'est incroyable. Il y a une ambiance de fou là. Valentin est parti là-bas, il est en duplex. Hein, voilà. On continue à tricher un petit peu, même si on est en direct. Vous l'aurez compris. Les amis, je vous propose qu'on fasse un petit point sur l'actualité sportive, parce qu'il y en a eu, on s'en est pas trop. Vous y êtes peut-être pas trop intéressés, chers auditeurs, parce qu'on l'a dit, l'actualité était un petit peu lourde. Mais nous, on a un professionnel avec nous, monsieur Greg Drouya. Vous détaille tout de suite. Oh oui, Greg, il la sort! Les infos sportives en France et dans le monde entier, c'est tout de suite avec Grégory Drouya. Le
journal, bien sûr, de ce week-end et de ce 11 janvier 2015, mon cher Greg. Le journal qui démarre avec, bien sûr, les résultats de football et la 20e journée de Ligue 1 avec, vous l'avez sûrement vu ou entendu, la victoire lyonnaise 3-0 contre Toulouse. Marseille qui s'incline à Montpellier. C'était le retour de Montpellier à la Mosson après les intempéries. Les Marseillais ont subi la loi des Montpelliérains 2-1. Saint-Etienne qui s'impose à Reims 2-1 et... Et oui, je suis obligé de le dire, le PSG qui s'incline 4-2 à Bastia après avoir mené 2-0. Du coup, au classement, Lyon, 42 points. Lyon, nouveau leader, 42 points. Ça fait très longtemps que les Lyonnais n'ont pas été à cette position-là, non ? Est-ce qu'il a la stat, notre leader ? Je ne sais pas, je n'ai pas regardé, mais c'est vrai que ça fait très longtemps. En tout cas, en plein milieu de saison, parce qu'il y a peut-être la première journée, mais en tout cas, en plein milieu de saison comme ça, ça fait longtemps que les Lyonnais n'ont pas été leader du championnat. En tout cas, ils ont 42 points. Marseille est deuxième avec 41 points. Et Saint-Etienne est troisième avec 39 points. Et se rapproche. Le PSG est quatrième avec 38 points. Pareil, je pense que ça fait un petit moment que le PSG n'a pas été exclu du podium. Comme ça, en pleine saison, ça fait, je pense, un certain moment. Et puis, à noter que si Monaco s'impose ce soir, Monaco reviendrait sur les talons du PSG à cinquième place avec 35 points. Monaco était très très loin de la tête et Monaco est en train de bien revenir. On le rappelle qu'ils sont qualifiés eux aussi pour les huitièmes de finale de la Ligue des Champions. Pour conclure avec le football français, il y a des matchs dans la semaine qui arrive bien sûr, avec des quarts de finale de la Coupe de la Ligue. Mardi, Bastia, Rennes et Saint-Etienne, PSG. Enfin, mercredi, Monaco, Guingamp et Lille, Nantes. Ça fait combien de quarts de finale que Saint-Etienne, que Paris a tiré Saint-Etienne Je crois que, franchement, sur les 4 dernières années, je crois qu'il y en a eu 3. C'est incroyable, quand même. Les boules, chaudes et froides, comme d'habitude. Vous connaissez la formule. En ce moment, elles sont plus froides pour Paris, d'ailleurs. J'ai l'impression, Le rugby avec la 16e journée de top 14. Toulon qui s'impose à domicile contre le Racing, 32-23. Clermont qui explose, Brive, 44-20. Et Toulouse qui s'impose sur le fil contre La Rochelle, 29-26 au classement. Clermont est premier avec 50 points. Le Stade français également en 50 points deuxième. Le Stade français dont on va reparler avec Valentin tout à l'heure dans le journal de l'Île-de-France. J'ai annoncé une exclue dans le journal de l'Île-de-France. Non. Vous allez avoir un journal de l'Île-de-France tout à l'heure. Voilà. Troisième, Toulon avec 47 points. Et puis Toulouse qui est pour le moment 7e et donc qui n'est pas potentiellement qualifié pour les barrages, puisque Toulouse n'est que 7e avec 37 points. Sans parler du Stade français, on peut revenir un peu sur les résultats du week-end, parce qu'il y a eu quand même une très très belle victoire de Toulon sur le Racing. Ouais. Le Toulon qui enchaînait sur deux défaites consécutives, ce qui n'était pas arrivé depuis plus d'un an, je crois. Exactement. Il me semble. Et surtout, un garçon qui a pas mal brillé du côté de Toulon, c'est intéressant, c'est Juan Martín Hernández, qui a fait un très 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 joli match. Ça faisait longtemps en tout cas qu'on ne l'avait pas vu face à ses ex-coéquipiers, parce qu'il faut le rappeler, il est passé assez rapidement par le Racing. C'est un joueur emblématique du Stade français, bien sûr. C'est un génie du rugby, au même titre, on va pas le mettre au même niveau que Johnny Wilkinson, mais il fait partie de cette trempe-là de joueurs qui Diego peuvent... Diego Dominguez, un petit peu. De exactement. Ces joueurs assez magiciens sur un terrain qui peuvent à eux seuls remporter une rencontre. Et puis à noter quand même que sur le match qui a opposé Brive à Clermont, il y a eu 6 essais à 3, et Brive a bien même si Brive a explosé une après, mais a bien joué son jeu en tout cas. Voilà, on reviendra sur le top 14 à l'avenir, bien entendu, et on en reparle, comme tu l'as dit, avec Valentin tout à l'heure. Le handball avec l'équipe de France qui dispute son dernier match de préparation au Mondial Qatari. Ce sera demain soir. Maintenant, il faut que je dise demain soir. Demain soir, ce sera donc France-Autriche. La France qui débute son Mondial, donc je le disais, au Qatar. Ce sera vendredi contre la République tchèque. La France qui est un groupe assez tranquille, on va dire, premier groupe avec comme adversaires principaux la Suède et l'Islande. Je ne sais pas si tu sais, Greg, je fais juste un petit aparté par rapport à l'équipe de France de Rennes. Mais Lucas Ballot, qui est parti du stage de préparation, qui était à Cap-Breton. Alors, il serait normalement forfait et on attend donc les dernières vérifications du médecin du Paris Saint-Germain, Régis Boxelé. Et il est possible que Lucas Ballot rejoigne l'équipe de France en milieu de compétition. Ah, ça c'est une info véridique, parce que tu le connais bien, le médecin du Paris Saint-Germain. Voilà, donc en plus. Normalement on attend les confirmations, mais il se peut que Lucas Ballot rejoigne l'équipe de France durant la compétition. Sûrement en deuxième partie à partir des huitièmes de finale. Oui, parce qu'il y a deux, phase de poule et après il y a les matchs à élimination. Connaissant Claude Onesta un petit peu, je suis pas sûr que Claude Onesta fonctionne comme ça. S'il part avec une équipe,
Je le vois mal intégrer un Lucas Ballot en huitième de finale, surtout si l'équipe de France déroule en compétition. Son remplaçant attitré, c'est Guillaume Joly, qui a longtemps évolué à Chambéry et qui maintenant joue en Allemagne. D'accord. Voilà. D'accord. Autre joueur du PSG Handball, c'est Daniel Narcis, qui lui aussi n'a pas joué durant ce tournoi de préparation, mais qui lui a été plutôt ménagé, plus que blessé. C'est lui, il sera bien du voyage au Qatar. D'accord. Bon, bah, c'est une bonne nouvelle, mes amis. Voilà. Bonne nouvelle. Il n'y a pas que des mauvaises nouvelles. La suite du programme, mon cher. Le tennis avec les premiers tournois de la saison et les premiers donc vainqueurs avec David Ferrer qui s'impose à Doha face à Thomas Berdych. Roger Federer, bien sûr, l'ami Liam qui s'impose face à Milos Raonic. On en reparle bien sûr tout à l'heure dans les débats. C'était à Brisbane. Et les Suisses qui continuent à bien tourner puisque Stanislas Wawrinka conserve son titre à Chennai. C'est bien sûr en Inde, Chennai, voilà. 2015 commence comme a fini 2014. Voilà, exactement. On va pas remuer le couteau dans la plaie pour nous Français. Mais effectivement, les Suisses sont une nouvelle fois très en forme en ce début de saison. Bien sûr, Stanislas Wawrinka, qui est le tenant du titre également de l'Open d'Australie. Chez les dames, parce qu'on ne fait pas de sexisme dans IDFM Sport. Surtout pas. Maria Sharapova s'impose à Brisbane contre Ivanovic. Voilà, je l'ai retrouvé. Simona Halep s'impose à Shenzhen. Et enfin, Venus Williams qui s'impose à Auckland en Nouvelle-Zélande. Cette semaine, les tournois, c'est simple. C'est les hommes qui sont à Auckland. Donc en Nouvelle-Zélande et à Sydney. Les filles sont également à Sydney et à Hobart en Tasmanie. Superbe. Le biathlon avec Martin Fourcade qui continue de voler sur les pistes puisque le français s'impose par deux fois ce week-end. C'était en Allemagne à Oberhof. Le français qui caracole en tête de la Coupe du Monde. Il va encore remporter un nouveau globe de cristal. C'est un géant. C'est un très, 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 très grand athlète. Il aurait pu mériter le titre de meilleur sportif 2014. Bah, ce qu'il a réalisé à Sochi. Mais c'est vrai que la Villainy était voilà, bien là. Exactement. C'est vrai. Mais dans l'impact, en tout cas médiatique, de l'exploit de la Villainy. Voilà. Le problème, c'est que sa saison va se terminer en mars. Donc pour 2015, ce sera pas pour lui. Mais il mériterait d'être très, très haut placé encore une fois parce qu'il va une nouvelle fois gagner la Coupe du Monde de biathlon. En ski alpin, Alexis Pinturo, deuxième du géant d'Adelboden, c'est en Suisse derrière Marcel Hirscher, le français qui est sorti du slalom. Alors il y arrive en géant, mais par contre en slalom c'est la cata. 5 slaloms cette saison, 4 sorties pour Alexis Pinturo. Ça va très très mal pour le français en slalom. Comment tu peux l'expliquer? Les nerfs qui craquent. Le slalom c'est 80% de confiance parce qu'il a le ski bien sûr, mais bon, je pense que tout le monde connaît le slalom ici autour de la table. Ça va très très vite, c'est des enchaînements, et si dans la tête on n'y croit pas, on a commencé à douter, et ben on rate une porte et puis c'est terminé quoi. Ça va très très vite en slalom. Le meilleur français, Jean-Baptiste Grange, le revenant, le champion du monde, 6ème. Et un autre revenant, alors là, éternel revenant, c'est Julien Lizeroux qui a lui pris la 9ème place. Le reste de l'actualité sportive, c'était tout ça. C'était tout ça, voilà. C'était parfait. Est-ce que tu as une petite suggestion ciné pour cette semaine? Pour cette semaine, qu'est-ce qu'on va vous annoncer? On va vous annoncer. Je vous regarde, les amis. Non, parce le que beau là... documentaire entre Roy Keane et Patrick Vieira. Exactement, voilà. Bien joué. Bravo. Très beau documentaire de la BBC qui a été traduit par l'équipe 21 il y a un mois maintenant, qu'on peut retrouver sur Internet. Très facilement. On raconte un petit peu quand même pour. Excuse-moi, Greg. Non, je t'ai mis dans sûr. Un tunnel. C'est moi, j'ai totalement zappé. Si tu pouvais nous faire un peu saliver, mon cher. C'est un très beau documentaire sur les fin des années 90, début des années 2000, cette époque où on avait un grand Arsenal et un grand Manchester United. Donc c'est les petites anecdotes, c'est la rencontre frontale entre Patrick Vieira et Roy Keane, un très bon entretien entre deux géants. Et Roy Keane balance dans cet entretien, ça avait d'ailleurs fait un petit peu polémique à l'époque où le documentaire était sorti. Les joueurs ne pouvaient pas se saquer, mais il y a une grande forme de respect entre les deux, c'est très intéressant à voir, c'est génial. Le foot avant c'était... Et puis ils sont très taquins, quoi. Tu vois les vieux briscards un petit peu qui se retrouvent autour d'une table. C'est comme ça aussi que c'est mis en scène. Non, vraiment, c'est à retrouver le nom exact du documentaire. Eddie, est-ce que tu l'as en tête? On va regarder ça. On va vous donner que ça. Je l'ai téléchargé illégalement sur mon PC. C'est comme d'habitude. Non, ça s'appelle tout simplement les grands documents du sport. Keane Vieira, les meilleurs ennemis. Exactement. Voilà. Les meilleurs ennemis à retrouver, bien entendu, sur Internet. Allez, on va ouvrir dans quelques instants notre page Ligue 1 avec l'humeur.
l'humeur de Eddy Amari, l'humeur de la semaine de Eddy Amari. Juste avant cela, je voulais quand même jeter un petit coup d'œil au message, mon cher Linden. Ça se bouscule au portillon sur IDFM98.fr. Dis-nous tout. On va juste dire qu'on a bien reçu le message de Blondie qui tente de draguer quelques animateurs. Exactement, ici. Dont on taira le nom. Donc on a bien reçu ton message. Donc voilà. Mais surtout. Et la personne a été très touchée par ton message. Mais voilà. Elle en bégaye même à l'antenne. Et le téléphone sonne. On va répondre. Et bien sûr, donc vous pouvez laisser vos messages sur IDFM98.fr. Et on a un petit coucou de Kevin. C'est sympa, Kevin. En tout cas, on t'embrasse très très fort. 21h47. L'heure bien sûr de lancer la page Ligue 1. Et mon cher Greg, je vais te poser la question fatidique. C'est la question sans doute que se pose également mon cher Eddy Amari. Sauf que lui, il a sa réponse. Lolo White doit-il rester au Paris Saint-Germain? No answer. No comment. No comment. On va écouter tout de suite l'humeur de Eddy Amari. Vous avez compris, ça va parler de Ligue 1, ça va parler surtout du Paris Saint-Germain. Il arrive tout de suite, bien sûr, le jingle. Énervé, triste, euphorique, ému, place à l'humeur d'Eddy Amari. Oh. Attends, mais qu'est-ce que tu croyais? Tes conneries, c'est fini, c'est bon. Stop, tu m'as compris? Stop, je t'avais prévenu. On m'a dit que les histoires d'amour finissent mal en général. J'ai mal car je pense à toi malgré mon ego de squal. Banal, je joue les durs, mais rien ne va plus. Je dors plus, je mange plus, je m'amuse plus. Je ris plus, je mords plus, rien ne m'excite plus. Je suis aigri et en plus, je bédave plus. Reviens, écoute, reviens dans ma vie. Cessons les cris, encore un essai. Pardonne-moi, pourquoi me laisser? Oh baby love, vois au-delà. Baby love, tu retiens ton envie. Cessons les cris, encore un essai. Les oh, reviens dans ma vie, cessons les cris, encore un essai. C'est un cri du cœur que je lance ce soir à l'antenne, mesdames et messieurs, en direction de l'ancien directeur sportif du Paris Saint-Germain, vous l'aurez reconnu, Leonardo. Léo et le PSG Léo, c'est une histoire, une vieille histoire d'amour de 15 ans. Pour faire court, c'est lors de l'été 96 que le jeune Brésilien s'est installé en France pour rencontrer le Paris Saint-Germain. Même si ce mariage arrangé par son ami Rai ne doit rien au hasard, c'est un véritable coup de foudre qui a frappé le club et le Brésilien. D'août 96 à août 97, passion, éruption et rayonnement ont accompagné ce couple terrible pour finir, comme toute histoire d'amour fusionnelle, en larmes lors d'une victoire historique face au Steaua Bucarest avec trois passes décisives de Léo en guise de cadeau d'adieu. Il aura fallu attendre 15 ans pour revoir le Brésilien et le club de la capitale se tenir la main. 15 ans au cours desquels Leonardo a pu voir son ancien amour rouge et bleu dans les bras d'hommes qui ne la méritaient pas. 15 ans de dépression que Léo a su apaiser en quelques mois en appelant à son chevet Ancelotti, Zlatan ou encore Thiago Silva. Mais ce trop-plein d'amour a étouffé le Brésilien qui a fini par voir rouge en s'en prenant à un arbitre après un match nul contre Valenciennes. La suite, on la connaît, suspension de 9 mois, adieu d'Ancelotti, arrivée de Laurent Blanc et Gasset, Cabaye, Aurier, 4e de la Ligue 1 et demain peut-être Momo Sissoko. Alors, monsieur Nasser El-Khelaifi, vous qui êtes le meilleur ami du PSG aujourd'hui, même si l'amour rend aveugle, je ne peux que vous conseiller de recoller les pots cassés de votre couple d'amis qui représentait tant le glamour, l'arrogance et la réussite parisienne. Linden chante beaucoup mieux que moi, Linden. Vas-y. C'est son les cris encore un essai. Linden, il l'a rodé celui-là. Il la connaît par cœur. Il l'a rodé. C'est les booms à l'époque, les soirées et tout, etc. Ça zouquait là. C'est pas fini. Hein. Tous mes états, Yoré Delmar, j'écoute cette chanson. Quand je veux voir une fille, c'est avec cette chanson. Ah, je vois un nouveau message de Blondie, apparemment. Sur IDFM98.fr. Mais c'était l'été 2006, il me semble, cette musique. C'était le monde, belle année. C'était l'été de. Alors attendez, on va juste aller voir Valentin très rapidement, puisqu'il a quelque chose à nous annoncer. Valentin, Bordeaux-Monaco, c'est la mi-temps. C'est juste zéro. Ça. faut prévenir. D'accord, je pensais qu'il y avait des buts, moi. Non, toujours 0-0. Et il y a une grosse discussion, en tout cas, entre Willy Sagnol et les arbitres. Il y a eu, un petit litige sur une occasion bordelaise. C'est avec, la goal technology. Goal line technology. Voilà, c'est ça. Le ballon a franchi la ligne et le but a été refusé. Mais c'est pas mais qu'en Angleterre qu'il y a ça. La goal line technology n'existe pas en France. Oui, voilà, c'est pour ça. Oui, c'est pour ça. C'est ça. C'est que en Première Ligue. Et sur FIFA 15. Le match est plaisant. Bien sûr. C'est Monaco. C'est Monaco qui domine le match. Mais en tout cas, ça reste à 0-0 pour le moment.
On verra ça en deuxième mi-temps. On reviendra bien sûr vers toi pour la seconde période. Oui, mon cher Linden, un petit message. On va citer un petit mot de Romano qui dit « Allez Malherbe ». C'est le premier qui nous lance ça sur IDFM Sport, donc il fallait signaler. Malherbe qui est Caen, bien sûr. Voilà, bien entendu. Pour donc, ceux qui ne sauraient pas. En trois ans des émissions, on n'a jamais cité Caen, il me semble. Non, c'est vrai. On n'a jamais fait de débat sur Caen, je crois, il me semble. Mais on va bientôt le faire, bien entendu. Revenons à l'humeur de notre ami Eddy Amari, là, qui pousse un coup de gueule, qui surtout qui appelle, on va dire, du pied, un grand appel du pied à monsieur Leonardo. Pourquoi pas pour remplacer Laurent Blanc? Je vais vous laisser réagir. Déjà, est-ce qu'on peut y croire, un retour de Leonardo sur le banc du Paris Saint-Germain? Difficile aujourd'hui. Difficile, je ne le crois pas forcément, dans la mesure où il n'y a personne pour le moment sur le marché. Personne à recruter en cas de départ de Laurent Blanc, donc ce serait la solution idéale pour le PSG si Leonardo serait amené à revenir sur le banc parisien. Après, tout dépendra des résultats de Laurent Blanc. Le souci aujourd'hui, c'est que le souci pour le Paris Saint-Germain, je le pense, c'est que Laurent Blanc va rester au moins jusqu'au match de Chelsea, sauf s'il y a hécatombe jusqu'au match de Chelsea. Le problème, c'est que le PSG va encore perdre une année, parce que probablement non, que le Paris Saint-Germain va se faire sortir par Chelsea. Non. Et après non, ça va être très dur. Dès l'arrivée de Laurent Blanc, on l'avait dit que le PSG, de toute façon, perdrait une année ou deux années. C'est vrai que sa première année a été concluante. On a vécu une belle année, surtout européenne, mais qui s'est mal terminée. Mais la vocation du PSG aujourd'hui, c'est quoi? C'est d'être champion de France tous les ans ou de passer un cap en Ligue des Champions? C'est ça. C'est le minimum. C'est le minimum. C'est le minimum, certes. Mais à partir du moment où tu prends Laurent Blanc, tu perds du temps, parce que tu n'arriveras pas à t'installer sur le toit de l'Europe avec un entraîneur qui manque d'autorité. On l'a bien vu encore pendant le mercato, bien que sûr. Ce soit avec le cas Cavani, il avait dit. Je pense que tu as raison, c'est là l'énorme différence entre Leonardo et Laurent Blanc. C'est la réussite de l'un sur le mercato. Bien sûr, Leonardo a réussi le mercato du Paris Saint-Germain quand il était dirigeant. Bien sûr que Laurent Blanc a échoué dans son recrutement. Tu en as très bien parlé dans ta chronique, le cacabail l'an passé. Exactement. Je veux évoquer le cas de David Luiz, qui est pour moi le plus grand scandale du 21e siècle David en termes de transfert. Je suis pas sûr que ce soit lui qui l'ait voulu recruter. Je suis pratiquement sûr que c'est lui. Enfin, lui est en tout cas entraîneur du Paris Saint-Germain, donc il a pas mis son veto pour mettre 50 millions sur David Luiz. Mais est-ce qu'il a le droit de mettre son veto? Bah, moi, je pense pas. Il peut quand même dire je ne suis pas d'accord. Je pense qu'à partir du moment où Laurent Blanc a tout fait, a fait des pieds et des mains pour signer Cabaye au Paris Saint-Germain, il s'est complètement décrédibilisé auprès du groupe. Le groupe parisien ne souhaitait pas Cabaye. Il a installé Cabaye. Mais qui a fait signer David Luiz alors? C'est pas l'État qui a fait. Il a signé Cabaye, il a voulu imposer Cabaye et ça a fragilisé Verratti. Verratti qui est le chouchou du vestiaire et qui est la pépite parisienne vraiment. Moi, je pense que ça serait difficile de remplacer Laurent Blanc. Pourquoi? Parce que s'il fallait le faire, il fallait le faire pendant la trêve. Parce que, imagine, là, il y a le petit parcours, l'aller-retour contre Chelsea, il sort repréparer une équipe avec du changement de méthode d'entraînement, etc. S'ils ont beaucoup de points de retard, parce que ça commence là, à prendre des points de retard face à Marseille et face au Olympique Lyonnais, ça risque être très compliqué pour Paris Saint-Germain de continuer en changeant d'entraîneur. Moi, enfin, je trouve qu'il doit finir la saison. S'il n'est pas changé là, je pense pas que ce soit un problème. Après, il faut être clair et net, il n'y a pas que Laurent Blanc. Il y a aujourd'hui un réel souci. Le management. Du Paris Saint-Germain. Le management, et il faut quand même aussi parler de terrain, parce que le problème, c'est qu'aujourd'hui, on a des joueurs qui étaient excellents l'an passé et il y a deux ans. Il y a des joueurs qu'on a fait signer, qu'on a cru qu'ils étaient excellents, alors que c'est des joueurs moyens. Je vais remettre le cas sur David Luiz, c'est un joueur moyen. On a fait signer Cabaye, c'est un joueur moyen. On a fait signer Aurier, c'est un joueur moyen. Donc au final, quand t'as des joueurs moyens, et bah t'es une équipe moyenne. Tout simplement. À noter quand même que depuis l'intersaison, puisqu'on ne s'est pas vu, chers auditeurs, depuis la fin d'année 2014, on peut quand même préciser que Laurent Blanc a quasiment les pleins pouvoirs dans ce Paris Saint-Germain. Enfin, officiellement, dans les déclarations. Non, quand je dis les pleins pouvoirs, c'est-à-dire que aujourd'hui, on lui a permis de pouvoir taper sur les doigts de certains joueurs qui étaient un petit peu protégés, qui étaient en lien direct avec Nasser El Khelaïfi, et que quelque part, c'est aussi une question de responsabilité. C'est-à-dire que si ça ne marche pas contre Chelsea, si ça ne se relève pas en Ligue 1, on tirera les conclusions et on dira au revoir à la fin de saison. Attendez, mais vous avez entendu Laurent Blanc à son retour de vacances, sa conférence de presse juste avant le match de l'Inter de Milan? C'est lui qui va durcir le ton, j'ai changé. Des petites choses vont changer, alors qu'on avait deux joueurs qui n'étaient pas revenus de vacances. On dit des petites choses vont changer, c'est grave. Mais on sait qu'il y a eu un entretien. On sait qu'il y a eu un entretien au Maroc entre Nasser El Khelaïfi et Laurent Blanc, où Nasser El Khelaïfi lui a demandé d'être plus dur et où, soit disant, enfin, ça c'est Le Parisien qui sortait cette information-là, à savoir que
Nasser lui a demandé de taper sur les doigts de certains joueurs. On sait qui c'est, ceux qui étaient très proches du président, limite des conseillers du président. Et vous voyez à qui je fais écho. Voilà, c'est aussi une question de le mettre face à ses responsabilités. C'est-à-dire que la deadline, c'est Chelsea. Mais monsieur, Nasser Al-Khelaïfi, qui a fait des très bons choix depuis son arrivée au Paris Saint-Germain, fait n'importe quoi depuis un an. Au PSG, il y a un an, le projet était vraiment sur des rails. On avait un homme comme Leonardo, expérimenté, qui a un réseau en tant que directeur sportif. On avait Ancelotti et son staff qui étaient là pour le terrain. Et il y avait Makelele qui faisait le tampon entre les joueurs. Et les joueurs ont très très mal vécu le départ de Makelele. Aujourd'hui, on a quoi au Paris Saint-Germain? On a Nasser Al-Khelaïfi d'un côté, et de l'autre, on a Blanc et Gasset. Et surtout, on a... Oui, mon cher Greg. Non, je voulais rapidement revenir sur... Il y a quelque chose qui me revient en tête comme ça, c'est que je me rappelle quand Ancelotti est parti, on a quand même eu une vox populi. Exactement, oui, t'as raison de revenir pour mettre un Français à la tête de l'équipe du Paris Saint-Germain. Je me rappelle des débats, ça avait même fait ingérence politique. Exactement. Parce que le maire de Paris de l'époque était intervenu en disant que ce serait peut-être bien qu'il y ait un Français, dans la mesure où le 11 parisien n'est composé à un élément près, qui était Blaise Matuidi, de aucun Français. Donc je me rappelle qu'il y avait même eu ingérence politique dans le choix du futur coach du Paris Saint-Germain. C'est le retour de bâton. C'est le retour de bâton. Il faut même se rappeler qu'au début, où Laurent Blanc est arrivé à Paris, beaucoup de gens expliquaient que c'est super que Laurent Blanc soit là. C'est même mieux qu'avec Ancelotti, parce qu'on s'ennuie moins et que le jeu est plus beau. Voilà. Nous, on avait dit cette émission d'ailleurs que l'essentiel était de gagner. C'est la devise de notre attaquant Eddy Amari. Je pense que c'est notre devise à nous tous. On va voir d'ailleurs si c'est la devise de notre ami Willy, qu'on va rejoindre tout de suite par téléphone. Willy, qui est un garçon qui n'aime pas trop Laurent Blanc. Salut Willy, comment ça va? Salut les gars, comment allez-vous? Très bien. Merci en tout cas d'intervenir sur le 01 34 12 12 22. Dis-nous tout, toi, qu'est-ce que tu penses de toutes ces affaires? Et surtout, toi, tu nous disais au Standard, t'as envie que Laurent Blanc, il parte tout de suite, hein, c'est ça? Alors effectivement, pour moi, Laurent Blanc n'est plus du tout l'homme de la situation. Parce que honnêtement, on parle de passer de Ancelotti aujourd'hui à Laurent Blanc, c'est comme passer d'une Ferrari à un Twingo. belle comparaison. Belle comparaison, parce qu'effectivement, à l'arrivée des Qataris, quand les mecs sont arrivés, ils ont mis vraiment une structure en place pour que le club du PSG devienne enfin un grand club, un grand club d'Europe, avec un Leonardo, directeur sportif, qui a effectivement un réseau énorme. Et qui connaît aussi vraiment le ballon, qui connaît le football, et avec un entraîneur que personne ne peut discuter, qui est Ancelotti, qui a tout gagné, qui est vainqueur de Ligue des Champions. Et aujourd'hui, on nous met un Laurent Blanc. Effectivement, il a fait une très bonne saison en étant champion l'an dernier. Ce qui est un minimum. Qui est un minimum, effectivement. Mais il ne faut surtout pas oublier que Laurent Blanc a bénéficié quand même du travail de Ancelotti, parce qu'Ancelotti, il a fini bien champion sûr. Avec Paris. Et surtout, et beaucoup de monde oublie ce détail-là, et qui est pour moi un très très gros détail, c'est que Ancelotti n'a pas eu Thiago Motta. Ça c'est vrai. Ouais. Pour développer un jeu comme ils l'ont développé l'an dernier, ils ont eu un joueur comme Thiago Motta qui l'année dernière a fait une saison énorme, qui était vraiment celui qui faisait jouer. Qui savait gérer les temps forts et les temps faibles au niveau du club. On parle beaucoup de Zlatan, effectivement, qui a marqué beaucoup de buts. Un Thiago Silva qui était aussi très très bon. Et surtout, c'est un très très gros Thiago Motta. Et ça, effectivement, on l'avait pas à la dernière saison de Ancelotti. Et là, on le voit très bien. Thiago Motta qui est pas au top de sa forme cette année. Le Paris Saint-Germain qui va moins bien. C'est vraiment le métronome de cette équipe, Thiago Motta. Le travail de l'ombre qu'on souligne pas assez. Mais comme tu disais, Willy, le Paris Saint-Germain, quand le Paris Saint-Germain a débuté son projet avec Nasser Al-Khelaïfi, souvenez-vous, la première recrue des dirigeants qataris, c'était pas un joueur, c'était Leonardo. C'est un directeur sportif. Et elle était là, la principale différence entre le projet parisien et le projet monégasque. Les monégasques ont tout fait pour acheter des joueurs. Nous, on a tout fait. Ça a duré des jours et des semaines pour recruter un directeur sportif. Et aujourd'hui, ce directeur sportif n'est plus là. Exactement. Un problème, Willy, quand même, et Greg, je donne la parole juste après. Le souci aussi, c'est quel entraîneur aujourd'hui est sur le marché pour pouvoir remplacer Laurent Blanc. Il est là, le souci. C'est un problème de timing aussi. C'est vrai qu'il y a un très gros problème sur ce sujet-là. Mais le problème, c'est qu'aujourd'hui,
Laurent Blanc ne maîtrise plus rien. C'est que on voit clairement que Laurent Blanc, il ne gère plus, plus son vestiaire, il tient plus son vestiaire. Et comme tout club, effectivement, bon, quitte à là aujourd'hui, on a 4 points de retard sur sur Lyon. Donc aujourd'hui, enfin, moi je pense que quand même, malgré tout, l'équipe depuis le début de saison, il s'est, enfin, pour moi, il s'autogère. C'est que dire limite les joueurs quand Laurent Blanc donne la consigne, ils n'écoutent même pas Laurent Blanc. Donc quand on change un entraîneur aujourd'hui ou pas, ça va rien changer. Ça peut qu'aller mieux. Mais là, clairement, Laurent Blanc ne maîtrise, ne tient plus son vestiaire et les joueurs ne limite quand on voit la Vezzi, à chaque fois les changements de Laurent Blanc, on les connaît avant le match, on connaît à quel moment Laurent Blanc va faire un changement à la 60e minute. Donc là, Verratti sera à la place de Cabaye. Voilà, c'est toujours les mêmes changements. Il propose rien. Et là, vraiment, où Laurent Blanc, il a montré ses limites, parce que Laurent Blanc, je ne le critique pas en tant que joueur, c'était un très très grand joueur. Mais Laurent Blanc, tout simplement, il a montré ses limites au match retour contre Chelsea. Exactement. Paris, aucun entraîneur comme Ancelotti, avec un 2 buts d'écart en Ligue des Champions, en demi-finale retour, en quart de finale retour, pardon, tu te fais sortir par Chelsea. Ouais, 2-0, c'est pas impossible, c'est pas normal. Donc Laurent Blanc a montré ses limites. Laurent Blanc, effectivement, il a toujours bénéficié du travail de, par exemple à Bordeaux, il a bénéficié du travail de Ricardo, la première, la deuxième saison quand il a été champion. Après, la deuxième saison avec Bordeaux, c'était une catastrophe. En équipe de France, c'était une catastrophe. Et au PSG, il bénéficie du travail de Ancelotti, deuxième saison, c'est une catastrophe. Donc Laurent Blanc, il est limité pour un grand club comme le PSG. Greg Drouillard, pour aller dans le sens de Willy et Eddy, tout le monde l'a vu, tout le monde le voit, c'est que Thiago Motta n'est pas à son niveau, il n'est plus à son niveau qu'il avait. Et c'est là où moi je reproche quelque chose à Laurent Blanc, c'est que tu vois, Thiago Motta n'est plus à son niveau. Pourquoi tu n'instaures pas Verratti, comme Eddy le disait, qui est le chouchou, qui sur le terrain prouve à chaque fois qu'il est très bon, qu'il est performant, à part que quelques petites frayeurs de temps en temps. Mais bon, à 21-22 ans, c'est normal encore. Ouais. Moi, c'est là où je reproche quelque chose à Laurent Blanc, c'est qu'il n'arrive pas à mettre un nouveau patron dans son milieu de terrain. Après, il peut mettre Verratti. Le problème, c'est qu'il ne lui fait pas confiance du tout à ce garçon-là. On l'a vu à Barcelone. Ouais, bien sûr. Après, pour aller dans l'autre sens, quand je vois les matchs des joueurs du PSG en Ligue 1, je pense que les joueurs, parce que le PSG a recruté quand même des grands joueurs, devraient peut-être plus aussi se professionnaliser. C'est-à-dire peut-être, certes, le coach, il n'est pas le coach le plus bien compétent après, de la planète. Mais voilà, il y a des joueurs qui devraient quand même l'aider parce que voilà, le reste. C'est pas 100% de Laurent Blanc. C'est pas du 100% Laurent Blanc. Laurent Blanc a de la chance d'avoir des joueurs comme il a aujourd'hui. S'il avait les joueurs d'à l'époque, par exemple Luis Fernandez avec les Anelka et tout, ou à l'époque c'était souvenez-vous à l'époque des Mario Simone au Kocha qui avait tout fait pour virer le coach, souvenez-vous ce dont Paris Saint-Germain, Philippe Bergerot qui avait sauté à l'époque des Robert et tout. 5-2. Il a de la chance Laurent Blanc aujourd'hui d'avoir des mecs comme ça qui salopent pas tout son travail, parce que le PSG d'hier, la victoire à Montpellier 3-0, elle aurait jamais existé. Ils auraient tout fait également pour en Ligue des Champions, ils auraient saboté également. Laurent Blanc a de la chance d'avoir Sur ça, t'as pas tort, parce que c'est vrai que ça aurait été pire avec l'équipe précédente, mais avec l'équipe qui est actuellement. Est-ce qu'ils sont pourtant à 100% les garçons? Les mecs, ils sont quand même. Ils le lâchent d'une certaine façon. Ils sont pas à 100%, je suis d'accord, mais ils s'abonnent pas totalement la poche. Ils sont quand même 4ème de Ligue 1. Enfin, en même temps, il faut réaliser, les joueurs qui sont sur le terrain 4ème de Ligue 1. Et surtout prendre 4 buts à Bastia. Surtout quand on mène 2-0. Après, les buts, ils sont dingues. Le 3ème de Bastia. Ancien du Paris FC. Une dernière chose, Manu, on parle du PSG, on parle du PSG, de la Ligue 1, mais on est tous d'accord que le Paris Saint-Germain est entre guillemets plus un club de Ligue 1. Le Paris Saint-Germain a une autre vocation. Greg, tout à l'heure, tu disais que les pouvoirs politiques s'en étaient un petit peu mêlés pour qu'une touche française au Paris Saint-Germain. Mais le Paris Saint-Germain n'est entre guillemets plus en France. C'est autre chose. C'est un club qui a pour vocation de s'installer sur le toit de l'Europe. Et quand on regarde. Mais en 2015, il va peut-être falloir rester en France. Messieurs, quand on regarde aujourd'hui l'échiquier européen, quand on regarde les grands clubs comme le Barça, comme Chelsea, ils ont tous des grands clubs, des grands entraîneurs comme le Bayern. Voilà. Et quand on ils n'ont pas des joueurs comme Baybeck surtout. C'est ça, tu vois. Pour être un grand entraîneur surtout, il faut avoir des compétences techniques que je pense que Laurent Blanc a, mais il faut surtout être un manager comme Ancelotti, comme Guardiola. Je suis pas forcément pour. Non. Je vais juste donner un dernier exemple. Tu veux savoir si t'es pour ou non, si je termine pas. Je vais te parler de Di Matteo de Chelsea qui gagne la Ligue des Champions.
qui profite du travail à moitié accompli d'Abraham Grant aujourd'hui dit Matos, c'est pas le plus grand technicien terminer, du monde. Il faut arrêter. Messieurs, 22h05, on ne comprend rien dans cette émission parce que vous parlez tous en même temps. Laisse-moi juste terminer. Je sur BF. Non, les amis, on va passer à notre dernier sujet. Eddy, si t'as 5 secondes. Je voulais juste dire, voilà, pour terminer, pour être un grand entraîneur, il faut avoir des compétences techniques que Laurent Blanc a, je pense, mais surtout. Faut avoir un pouvoir de comment dire, avoir une autorité, avoir un pouvoir de management. Séduction. Ce qu'a Ancelotti, Guardiola, ce qu'avait Ferguson, et avoir une autorité. 5 secondes. ceux que je citais avaient et ont une autorité. Laurent Blanc ne l'a pas montré avec Cavani, il avait dit. Et une équipe dirigeante forte, surtout derrière pour l'appuyer. Et malheureusement, l'institution PSG a pris bas de l'aile. Et le retour de Léo, s'il vous plaît, le retour de Léo. Ah, ça, on l'attend tous. Mais Nasser écoute IDFM, les amis, donc peut-être qu'il vous a entendu ce soir, j'espère. Mais on avait, juste pour terminer. Faut parler de Lyon et Marseille, les gars. On avait exactement fait la même réflexion quand Ancelotti était entraîneur du Paris Saint-Germain, que les joueurs n'étaient pas à 100%. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'il s'est fait, entre guillemets, écarter du PSG. C'est un soir de défaite après un match nul contre Montpellier. C'était l'hiver, voilà, au mois de novembre. Il y avait eu défaite à Reims, match nul contre Montpellier. Exactement. Et Nasser lui avait fait, si tu ne gagnes pas contre Porto, tu t'en vas. Donc les joueurs qui étaient à 80% les mêmes étaient exactement pareils avec Ancelotti. Donc aussi, il n'y a pas qu'un souci d'entraîneur. Non, complètement. On l'aura entendu, on l'aura dit en tout cas. Willy, merci beaucoup d'avoir réagi. Merci à vous, les gars. T'as un petit message à donner à l'antenne. Merci les gars, merci beaucoup pour cet accueil et très très bonne émission et encore beaucoup de bonnes choses. Par contre, j'ai une petite dédicace à faire s'il vous plaît. Vas-y. En fait, demain, moi je suis d'origine haïtienne et demain c'est le 12 janvier, il y a déjà 5 ans de cela, il y a eu un grand tremblement de terre sur mon île, il y a eu plus de 200 000 morts et donc je voulais faire un petit. J'avais une grosse pensée pour mon peuple haïtien. Soutien à vous. Merci beaucoup et très beau message. Bon courage pour vous. Et aussi et une grande fraternité pour toutes les personnes qui ont perdu des personnes lors de la semaine qui a eu une semaine très compliquée. On est tous des frères, que ce soit musulmans, juifs, chrétiens, bouddhistes, jaunes, on est tous des frères. On n'a pas besoin de faire la guerre. On a besoin de paix et merci beaucoup les gars. Voilà. Eh ben merci ensemble, à toi Willy. En tout cas, t'as gagné ta garde de bon client là. On va t'intégrer mon ami. On va t'intégrer. Merci à toi Willy. Une grosse pensée pour ton île également. Bonne soirée à toi. Ciao. Voilà, c'était Willy qui était avec nous bien sûr pour parler du Paris Saint-Germain. On va juste faire un petit point, si vous le voulez bien, sur le match qui oppose bien sûr Bordeaux à Monaco. Ça a repris, mon cher Valentin, où est-ce qu'on en est? Ouais, ça a repris depuis 4 minutes et toujours 0-0, aucun changement. Ça a l'air sexy ce soir. Hein. Non, c'est un match plaisant. Il se fout de la gueule du monde ce Valentin, c'est impossible. Il y a deux énormes matchs aussi en Europe ce soir. Pour dire que le Barça mène 2-0 contre l'Atlético Madrid, on est à la mi-temps. C'est énorme, Juve mène à Naples 1-0 avec un chef-d'œuvre de Paul Pogba. Ah, génial. Allez chercher tout ça sur Internet, bien sûr, mes amis. On reviendra, on fera un point score avec tous les deux, du coup. Et bien sûr, n'oubliez pas le Tour d'Europe du week-end qui viendra juste après la Ligue 1. La Ligue 1, justement, on continue avec le sujet Olympique de Marseille. Lyon, nouveau leader. Quatrième doublé consécutif pour Lacazette ce soir. Après cette victoire 3-0 contre Toulouse. Une équipe de Toulouse, bien sûr, trop limitée. Mais quand même, on peut le dire, un excellent Lyon, un excellent Jalaire, un excellent Fekir. Gourcuff est rentré en cours de jeu à la place de Guezal et on attend encore un petit peu le retour de Clément Grenier. S'il revient, bien entendu, en 2015, ça va être encore une grande question. Mais Lyon est leader et comme tu le disais, ça faisait très longtemps que ce n'était pas arrivé. Je vais donner tout de suite la parole à Linden. Raconte-nous un petit peu, est-ce que Lyon peut aller au bout, très honnêtement? Est-ce que ce Lyon-là est en sur-régime ou est-ce que ce Lyon-là est un candidat réel au titre? Tu rigoles sur ta langue question. De bois. Non, aucune langue de bois, mais vraiment, tu rigoles sur ta question. Je vais te donner l'effectif quand même. On a joué aujourd'hui avec Rachid Guezal au milieu de terrain, Jordan Ferry. On a derrière des gens qui courent avec des Mota, des Verratti, des Pastore, etc. Non, à un moment, Là, il chambre. À un moment, ça va s'arrêter. Pour plusieurs raisons déjà, parce que cette équipe
équipe jeune, elle a pas l'habitude d'être dans cette position-là. Parce que certes, l'Olympique Lyonnais, historiquement, ils ont eu l'habitude d'être leader, mais c'était quand même avec des plus gros joueurs, les Juninho, les Thiago, les Djila Diarra, des joueurs qui avaient l'habitude. Aujourd'hui, c'est tout nouveau d'être leader. Et puis, derrière, là, ils vont quand même rencontrer encore une fois l'Olympique de Marseille. Ils vont rencontrer donc Marseille à Marseille. Ils vont rencontrer le Paris Saint-Germain, mais cette fois à Gerland. Cette position inédite est quand même très difficile à gérer pour l'Olympique Lyonnais. Après, je pense qu'ils se prennent, eux, ils se prennent pas la tête. Ils jouent, ils se font plaisir. Les mecs, s'ils finissent deuxième, c'est tout bénef. S'ils finissent troisième au tour préliminaire, ils sont super contents. Je pense que c'est vraiment du plaisir pour ces jeunes Olympiques Lyonnais. Après, ils sont très contents. Après, Linden, je me permets, je pense que c'est la différence entre Marseille, Paris et Lyon en ce moment. Je pense que c'est que Lyon joue très bien à domicile. Je sais pas si on regarde les derniers matchs à domicile. Lyon a beaucoup de mal. Mais il marque beaucoup de buts. Ouais, mais la différence de buts va compter, je pense, à la fin du championnat. Oui, différence de but contre, mais au début, c'est les points. S'ils perdent contre Paris à Gerland, ce qui sera peut-être pas. Attends, ils ont pas perdu contre Paris. Moi les gars, ça fait 3 mois que je vous dis ça, mais Paris va jouer des matchs et ça fait 3 mois qu'on dit que le PSG va être champion. Lyon n'a plus que la Coupe de France et le championnat. Ah, c'est bien ce que je dis. C'est que dans donc, le sens c'est un match par semaine, vu la qualité, enfin, plutôt vu la faiblesse, parce qu'il n'y a pas de qualité et en Ligue 1, vu la faiblesse de la Ligue 1. Lyon va pas perdre non plus 50 matchs. Et en plus, t'inquiète pas, on va sortir à Nantes en Coupe de France, y a pas de problème, on se fait éliminer, il restera que la Ligue 1. Non, mais je pense que les gens n'ont pas l'habitude, ils vont juste se faire plaisir, ils se prennent pas la tête, et puis ils prendront, s'ils sont dans les trois premiers, c'est un très bon résultat. Et puis ils sont sans pression, les amis, ils sont sans pression. Aucune pression. Vrai qu'on a beaucoup parlé de l'OM, on parle beaucoup du Paris Saint-Germain, on a moins parlé de l'Olympique Lyonnais, on s'y attendait pas, peut-être ces dernières semaines. Oui, moi, je mettrai un bémol, c'est la Lacazette dépendance. Ah bah, si la Lacazette va jusqu'au bout de la saison, Lyon peut être très très haut. Si, enfin, on l'espère pas pour Lyon. Quatrième doublé consécutif, les amis. C'est quand même une stat qui montre que Zlatan, peut-être le garçon est en sur-régime un petit peu. Ça va durer toute la saison comme ça. Il est surtout très en confiance. Quand tu vois encore son but à Toulouse aujourd'hui, je sais pas. Il invente des angles chaque semaine. À Reims, il invente un angle super fermé, désorienté. Là, contre Toulouse, au lieu d'aller un peu plus à l'intérieur, il frappe parce qu'il est en confiance. Lacazette est en pleine bourre, hyper confiance. Il faut quand même dire que ce soir, que Toulouse est quand même très limité, notamment dans les 30 derniers mètres où ça pêche énormément. Il n'y a pas un joueur qui peut faire la différence, mais quand même, il y a moi une chose qui m'a intéressé sur ce match, et je te donne la parole tout de suite, Linden, c'est le rôle des latéraux, notamment Jallet et Dabo, je crois, qui était de l'autre côté. Dabo qui a commencé, puis Tolisso à la fin. Voilà, également, tout à fait, Tolisso qui a redescendu sur un côté. Honnêtement, c'est inattendu, ces deux garçons, de les voir à ce niveau-là face à Toulouse. Enfin, Jallet est constant quand même. Jallet est constant. Après, Dabo, moi j'ai toujours trouvé que c'était un bon joueur. Il a pas beaucoup joué parce que déjà, de 1, il était blessé. De 2, la concurrence de Bedimo qui là est parti à la CAN, il y a pas beaucoup de place pour Dabo. Mais Dabo, dans tous les matchs qu'il a fait, sachant qu'il est droitier, si tu dis pas de bêtises, a toujours fait des bons matchs quand il a joué arrière gauche, arrière droit à Lyon. Après, ça a toujours été son poste parce que même à Saint-Etienne, il jouait arrière gauche. Mais si tu regardes Dabo, il joue pas beaucoup, mais il a toujours été bon avec l'Olympique Lyonnais pour moi. Donc c'est pas une surprise d'avoir ces joueurs là à ce niveau là. Christophe Jallet qui a apporté une expérience que par rapport à Miguel Lopez qui était, ça a rien à voir. On a l'impression qu'il est deuxième jeunesse même. Christophe Jallet, je sais pas, c'est incroyable de le trouver à ce niveau-là. Jallet disait qu'il était heureux de retrouver cet état d'esprit-là. La sérénité, investir ça, c'est ses mots. Crilin est dans la place, les gars. Exactement. Un dernier mot avant d'accueillir un auditeur et pas n'importe lequel, un spécialiste. Mon cher Linden, parle-nous de ce garçon Fekir. Lui aussi, il a marqué contre Toulouse ce soir, mais surtout, il est virevoltant déjà depuis quelques semaines, quelques mois. Petite pépite, très fort. Encore une pépite du centre de formation de l'Olympique Lyonnais. Et pourtant, moi, ils en voulaient plus. Ils sont partis récupérer à Saint-Priest, donc dans la banlieue lyonnaise, parce qu'il leur a mis une petite misère. Il leur a mis une petite misère, ils ont dit on va le récupérer peut-être, mais il se fait plaisir. Alors il tente, des fois ça marche, des fois ça marche pas, mais il tente énormément et moi je trouve c'est une pépite. En plus, tu vois qu'il progresse de jour en jour. Donc c'est faut mettre en avant quand même le centre de formation de Lyon, qui là a réellement retrouvé une génération qui potentiellement est très très forte. Cette génération-là, avec les Tolisso, les Ferry, les Fekir, les Ghezal. NG est pas mal. Moi, je trouve qu'il est très bon aussi, NG. Pas mal, NG. En tout cas, il a le potentiel. Mais en tout cas, tu sens que c'est très fort. Enfin, c'est très talentueux. Fort, on le verra sur ce qu'ils peuvent faire sur la suite. Mais en tout cas, et je trouve que ces garçons-là, j'évoque notamment Tolisso et Ferry, et on peut mettre un peu Fekir dedans, je trouve que c'est des garçons qui dans la tête ont déjà pas mal de choses. Et le symbole de tout ça, c'est Lopez, le gardien quand même, on peut le dire. Anthony Lopez qui est très très bon pour sa taille.
il fait bien sûr penser à Jérémy Janot, assez petit. Il n'est pas dans les standards modernes, voilà. En tout cas, là, Manuel Neuer. On va accueillir tout de suite, bien sûr, dans cette émission, 22h14 sur IDFM, 98FM, place au sport, on vous l'a dit, jusqu'à 23h. Et c'est un garçon qui va par le nom d'Eddie Fleck, pardon, on peut aussi l'appeler Charles Gène, c'est au choix. Eddie, bonsoir, tu es un spécialiste sur Twitter, bien sûr, de l'Olympique Lyonnais. Quel est ton avis, déjà, sur ton sentiment sur cette place de leader? Oui, salut à tous. Bon, vous abusez un petit peu sur le spécialiste, mais bon. suivi de pression, grosse pression. T'es quand même suivi de près par de nombreux supporters lyonnais. Ça fait très très longtemps que je le suis et ce mec est génial. T'es une pépite. Voilà, j'ai l'occasion de te le dire. T'es une pépite. C'est gentil. En fait, je voulais juste tempérer un peu sur les jeunes que vous avez cités. Mm-hmm. C'est vrai que nous. On s'enflamme pas vraiment sur les joueurs que vous avez cités, notamment Engie, Ferry, voilà, Fekir. Qui sont pas les jeunes. Ouais, Fekir est très bien, mais il y a beaucoup de jeunes du centre de formation de l'OL qui franchement montrent vraiment de bonnes choses et des choses assez surprenantes, surtout sur Engie, qui est toujours devant la cage un petit peu maladroit. Un peu trop brouillon, très ouais. Brouillon. Mais par exemple au milieu de terrain, Ferry, Tolisso, c'est normalement pas fait pour être à ce niveau-là. Ça reste des joueurs moyens, des jeunes qui sont bons dans la tête. Sévère, moi je trouve quand même. Il n'a pas tort, il n'a pas tort. Ferry, c'est le meilleur passeur du championnat, non quand même. Oui, mais si tu t'arrêtes à ce genre de stats, c'est vrai. Regarde, Marvin Martin était meilleur passeur du championnat de Ligue 1 aussi, donc. Mais si vraiment tu veux regarder en détail, je pense que c'est pas sur la qualité des joueurs en eux-mêmes, à part sur certains, Lacazette, Fekir en premier lieu. Mais si tu regardes les joueurs qui nous manquent au milieu, les vrais normalement qui sont censés être à la place de Ferry, Tolisso, sont Grenier, Fofana qui sont absents. Donc ça veut dire que c'est au-delà vraiment des qualités intrinsèques des joueurs, c'est vraiment l'état d'esprit. Et c'est pour ça que je pense aussi que les Lyonnais sont très, en général, sont très conscients que la place de premier, quant à Guézal, Ferry, Tolisso dans ton 11 de départ, c'est presque un exploit. Eddy, tu nous parlais de l'état d'esprit. Tu nous parlais de l'état d'esprit. On parle beaucoup depuis le début de saison de la méthode Bielsa. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur la méthode Fournier? Non, mais ça, je pense que ça va beaucoup plus loin que la méthode Fournier. Parce qu'un état d'esprit, c'est le coach qui le met en place quand même, qui l'inspire. Bien sûr, après ça reste un peu dans la lignée de Rémy Garde, de ce qu'il faisait, notamment dans le dispositif quand il est passé en losange. C'est vrai que Lyon avait l'habitude de jouer en 4-3-3, les grandes années lyonnaises c'était en 4-3-3. Exact. Mais là, le fait de passer en losange avec Rémy Garde et garder ce système, et qui est pas facile à utiliser d'ailleurs, notamment sur le rôle des latéraux, le fait de l'utiliser deux années de suite, ça commence à prendre. Alors c'est au-delà d'une méthode Fournier, je pense que c'est plus une mentalité de club en général, des jeunes à l'équipe première, qui fait que tu as une équipe qui est capable de mettre 5-0 à Bordeaux avec des randoms au milieu de terrain, des mecs qui sont des joueurs de Ligue 1, sincèrement, sans leur... Ouais, voilà. Palois était bourré aussi. Palois était bourré de sources sûres. Il fait peur, là, Eddy, quand même, parce que là, il est en train de. Déjà, je pensais que la Ligue 1 était nulle, mais alors là, avec ce qu'il est en train de me dire, la Ligue 1 elle est vraiment, mais très très nulle. Hein. Non, il est réaliste. Vois, c'est pour tempérer. Sincèrement, je pense pas être trop sévère. C'est parce qu'on les connaît bien, les jeunes. Quand l'année dernière, j'allais souvent au match de CFA de l'Olympique Lyonnais, et c'est vrai que Fekir montrait des belles choses en CFA. Mais tu te dis, lui en Ligue 1, ça peut parfois être compliqué. Oui, il y a un gap, forcément, entre la CFA et la Ligue 1, bien entendu, Eddy. Eddy, justement, toi qui est proche, on va dire, de l'actualité de l'Olympique Lyonnais, et surtout qui suit l'Olympique Lyonnais au jour le jour, est-ce que ce titre de champion de France, au bout des 38 journées, est-ce que tu y crois? Ou est-ce non, que tu te dis, est-ce que tu penses que Lyon peut le jouer jusqu'au bout? C'est le Parisien qui parle. Tu ne te laisses pas faire par le Parisien. Est-ce que tu y crois à ce titre et à cette course au titre surtout, ou est-ce que tu penses que justement Lyon est un peu en sur-régime en ce moment? Quand tu me poses la question, j'ai envie de te dire non. Après, je repense au doublé de Palmieri contre le PSG. Je sais pas si c'est possible. Non, mais Manu disait quelque chose de très intéressant tout à l'heure. Les Lyonnais n'ont pas la pression. Ils vont commencer à avoir la pression. Et toi, Eddy, tu nous disais que ces jeunes-là sont peut-être pas préparés à ça. Donc, on va voir comment ils vont réagir, parce que c'est le moment de réagir pour eux. Les matchs ne seront plus les mêmes à préparer, que ce soit dans la tête ou physiquement. Les matchs ne seront plus les mêmes. Et les adversaires à ton
prendront désormais les Lyonnais. Ouais, mais au-delà de ça, sincèrement aussi, c'est pas Lyon qui gagnera le titre, ce sera le PSG ou l'OM qui le laissera à Lyon, c'est plus dans ce sens-là. Ça, c'est bien dit. Comment une équipe comme le PSG avec autant de joueurs cadres, enfin des joueurs qui ont quand même joué dans des grands clubs, comment tu peux laisser le titre à une équipe avec un milieu de terrain qui est décimé? Parce que je répète, Gourcuff et Fofana ne sont pas là. Gourcuff, il est à 2000 là, il est là une fois sur deux. Il est à jouer ce soir, on disait. Il est rentré à 7 minutes, il a joué 7 minutes. Oui, bien sûr. Voilà, il fait 7 minutes par match. Il a une occasion, une très grosse occasion quand même. Mais 7 minutes par match. Et puis pour parler encore plus globalement, comment le PSG peut laisser deux titres de champion en 4 ans avec cette équipe? C'est impossible. Je le vois pas. Merci Eddy d'avoir parlé du PSG dans un débat de Lyon. C'est là la grande différence entre le Paris Saint-Germain et les autres clubs. Non. T'as les huées, voilà, regarde, ça y est, de Gerland. Tu les entends? Voilà. La défense centrale aussi, moi je mets un point d'interrogation sur la défense centrale lyonnaise. Bizevac, surtout qui connaît quand il joue. Alors c'est vrai que parfois c'est Umtiti, c'est quoi, c'est Umtiti Bizevac, normalement. Mais parce que Bizevac n'était pas là, mais c'est vrai que si tout le monde est là, qui connaît ne jouera pas. Ouais, parce que, et même, je pense qu'il peut y avoir un petit point d'interrogation, est-ce que cette défense centrale peut tenir encore jusqu'au bout? Mais tu vois quoi comme, là par contre je vais parler un peu en supporter, mais tu vois quoi comme meilleure défense centrale dans le championnat? À part celle, vraie question. À part celle peut-être du PSG, mais qui est... Non, justement, celle de Saint-Etienne est très bonne. Celle de Saint-Etienne est bonne. Je trouve que celle de Monaco, les deux grands-pères sont très bons. Carvalho et la meilleure défense du championnat, ça reste Saint-Etienne. Saint-Etienne est très bon. Je pense que la ligne de 4 que l'OL a, si on enlève le PSG qui est un cas à part, c'est la meilleure de Ligue 1 pour moi. La ligne de 4 en défense. L'OL en plus, elle est deuxième. En tout cas, à gauche, Bédimo, il n'y a pas beaucoup meilleur. Ouais. Arrêtez les garçons. Bédimo, il fait un match sur trois. Bédimo, c'est plus le Bédimo de Montpellier. Je suis pas d'accord. C'est plus le Bédimo de Montpellier quand même. C'est la deuxième défense de Ligue 1. Vous parlez beaucoup de l'attaque, mais c'est deuxième défense de Ligue 1 aussi. De toute façon, ils sont en tête, donc forcément, ils ont des bons joueurs. Mais sur la continuité, parce qu'on parle de ça, parce que là, il va falloir tenir encore 15-16 journées. T'as pas le droit de faire 3 ou 4 conneries, quoi. Il faut que ça tienne, quoi. C'est pas l'objectif du club, tu vois. Est-ce qu'on est armé pour être champion déjà, être à cette place, c'est énorme. Bien sûr. Faut se rappeler du début de saison. Après, ça, c'est une langue de bois commun à tous les clubs quand ils sont dans Non, pas du tout. Si c'était Paris qui... Enfin, les Lyonnais l'auraient jamais dit. Ça serait Paris qui dirait, ouais, on jouerait pas le titre. Ils ont l'effectif pour... Aujourd'hui, comme il le dit depuis tout à l'heure, Lyon, tu joues quand même depuis le début de saison avec Jordan Ferry et Tolisso au milieu de terrain. C'est ce que je le dis dans chaque émission. Leader avec ces deux joueurs-là, quand même, c'est improbable. Eddy, justement, t'as des nouvelles un petit peu concernant Clément Grenier? Est-ce que tu penses qu'on va le revoir très vite, là, en 2015? En fait, c'était prévu pour qu'il revienne, là, début de l'année. Et apparemment, il doit refaire des tests au niveau de ses adducteurs parce qu'il a encore des douleurs. Donc, ce serait possible qu'il repart dans une opération. Et s'il repart dans une opération, c'est mort pour la fin de la saison. Donc... vraiment dans le flou, ça fait penser un peu à Fofana qui avait le même souci avec mais c'est genou. Tout le temps les mêmes soucis à Lyon, j'ai l'impression que c'est tout le temps les adducteurs à Lyon, non, les adducteurs et les genoux, les installations sont si mauvaises que ça à tout la Vologe, moi j'y ai jamais mis les pieds. C'est synthétique. C'est une question que je pense que tout le monde se pose au club. On avait même pensé à tout ce qui était usine autour de la Vologe, est-ce que ça avait un rapport avec les blessures, etc. Donc tu vois jusqu'où on est allé. mais je sais pas du tout. Mais franchement, c'est un gros point d'interrogation. Et c'est pour ça que je te dis encore une fois qu'avec ce milieu de terrain qui est décimé, parce que tout le monde commence à prendre l'habitude de Ferry et Tolisso. Exact. Mais c'est pas ça. C'est pas l'OL, Ferry et Tolisso. Normalement, c'est Grenier, Fofana et Gourcuff. Tu les joues à FIFA, tu mets pas Tolisso et Ferry, je te le dis. Messieurs, merci beaucoup en tout cas d'avoir réagi sur ce débat olympique de Marseille. Eddy, je te laisse le mot de la fin. Qu'est-ce que tu voudrais adresser comme message? Que Bédimo est le meilleur latéral gauche de la Ligue 1. T'es resté bloqué sur ça. Ça va faire toute ma semaine. Je vais pas lâcher Linden. Merci pour l'invitation. Écoute, t'es le bienvenu. Merci à toi. Dès qu'on reparle Olympique Lyonnais, on fera appel à toi si t'es disponible pour intervenir. Continue à être très bon sur Twitter parce que moi je kiffe. Ça me fait aller sur Twitter tout le temps. Il est génial.
Voilà, on rappelle ton nom, c'est Eddy_Fleck, c'est ça, pour te suivre. Eh bien écoutez, suivez ce garçon en tout cas si vous ne l'avez pas encore fait. Merci Eddy, bonne soirée à toi. Bonne soirée. À très vite. Voilà, c'était Eddy qui a bien sûr réagi, qui était avec nous en direct sur IDFM 98 FM. Il est 22h24 très précisément. On va passer à l'Olympique de Marseille, les amis, avant de faire une petite courte pause tout à l'heure, une petite pause musicale avant de continuer avec le reste de l'actualité sportive. Linden, un petit détour par les messages. On a eu quelques messages, je crois. Ouais, alors on revenait sur le débat PSG. Donc Romano qui nous disait, donc qui était d'accord avec Eddy, qui nous disait il manque un directeur sportif au PSG. Alors moi, je voulais juste quand même dire, il y a un monsieur qui s'appelle Blanc, là. Comment s'appelle son prénom? Létang. Jean-Claude Blanc, c'est Olivier Létang qui s'occupe de. Qui est exécutif, on va dire. Il y en a un, même si on le voit pas trop, mais il y en a quand même un. Et puis, on nous parlait déjà de Diego Simeone l'année prochaine au Paris Saint-Germain. Ça, c'est une véritable. C'est une vraie question qui se pose. Et je l'ai déjà entendu dans des rédactions qu'apparemment, préparait Diego Simeone pour arriver au PSG. J'ai du mal à croire. Diego Simeone, dans sa gestion des stars, on le connaît pas. Non, déjà, il y a ça, mais surtout la deuxième raison, c'est que tu te dis, Diego Simeone, c'est quand même un des mecs les plus bankable pour le prochain mercato. Non, ça, c'est pas un problème, ça. Est-ce que lui acceptera de venir au Paris Saint-Germain? Est-ce que lui collera au projet PSG? Oui, mais est-ce que déjà lui aussi accepterait une proposition du Paris Saint-Germain? C'est pas sûr, les amis, très honnêtement. Bah, l'Atlético est au-dessus du Paris Saint-Germain actuellement. Sportivement, en tout cas. Sportivement, bien sûr. Bien entendu. On va également faire un petit point également sur Bordeaux-Monaco. Où est-ce qu'on en est? C'est presque la fin du match, non? Monaco-Bordeaux, 66e minute de jeu, 0-0 entre Monaco et les Girondins de Bordeaux. C'est Monaco qui domine, qui toujours tient le rythme de ce match, mais Bordeaux qui plie mais ne rompt pas. D'accord. Toujours d'accord. Autant d'ambiance à Louis II. Oh, ça a l'air sympa. Et puis alors, Valentin, t'as l'air chaud patate. Je suis sur le qui-vive, hein. Dès qu'il y a quelque chose, mais pour l'instant, je peux pas vous en dire plus. Greg, t'as des news concernant Arsenal? Évolution des scores également en Europe avec l'Atlético Madrid, on en parlait justement, qui a réduit le score à Barcelone, pénalty de Mandzukic. Et puis plante encore lui. Et puis évolution du score en Italie, puisque la Juve mène désormais 2-1 à Naples. Le Napoli, donc je vous l'avais dit, Paul Pogba avait marqué le premier but de la Juve. Le Napoli a égalisé par Britos et c'est Martin Caceres à la 69e minute qui a redonné l'avantage à la Juve. Et bien sûr, on vous tient au courant si jamais il y a une certaine évolution. Voilà, on va passer à l'Olympique de Marseille. Je sais que ça fait toujours un petit peu de mal aux supporters parisiens que vous êtes, mais moi j'aime vous taquiner, bien entendu, chers amis. On vous rappelle que vous pouvez d'ailleurs réagir à l'antenne comme l'ont fait nos deux précédents auditeurs, à savoir Willy et Eddy, ou vous appelez au 01 34 12 12 22 01 34 12 12 22 et puis n'oubliez pas de nous envoyer vos messages également comme Romano sur idfm98.fr. On passe à l'Olympique de Marseille. L'Olympique de Marseille, nouveau coup d'arrêt, deuxième défaite consécutive, une semaine, un petit peu moins d'une semaine après la défaite et l'élimination en Coupe de France en 32e de finale face à Grenoble. Une nouvelle défaite contre Montpellier, 2-1. Marseille surtout qui s'est fait prendre sur la performance collective. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, c'était vendredi soir dernier, l'OM qui avait déjà perdu au Vélodrome au match aller contre Montpellier, c'était lors de la deuxième journée. Ça avait commencé à créer une sorte de mini-crise, on se posait encore quelques questions à l'époque sur justement la méthode Bielsa, est-ce que c'était l'homme qu'il fallait, est-ce qu'il n'était pas un peu surcoté. La dernière stat, Marseille a encaissé 5 buts sur les deux premiers matchs de 2015. Est-ce que Marseille marque pour vous un coup d'arrêt en tout cas? Moi, j'appelle plus ce club l'Olympique de Marseille, je l'appelle l'Olympique de Payet. De Bielsa. L'Olympique de Payet, parce que je m'explique, c'est que aujourd'hui, pour moi, si Payet est bon, Marseille est bon. Si Payet ne joue pas, Marseille ne gagne pas. Et on connaît le garçon, on sait qu'il peut avoir trois mois très très bon, et après, pendant deux mois, être plutôt moyen. Et clairement, quand Marseille tournait bien, Payet était très bon, mais passeur, buteur. Là, Payet est un petit peu moins bien depuis un mois, et c'est la catastrophe à Grenoble, c'est pas bon à Montpellier. Et je mettrai un autre point, bien sûr, on l'avait déjà dit il y a un petit moment, c'est que là, c'est la CAN, ils ont perdu deux joueurs essentiels qui sont Nkoulou et André Ayew. Si t'appelles ça l'Olympique de Payet, moi je vais appeler ça l'Olympique de Energy Form ou Forest Hill ou je sais pas, l'Olympique salle de sport, on va dire. Ouais. Non, pas de musculation, mais surtout d'état physique. Et on a vu un petit peu les limites de la méthode Bielsa. La méthode Bielsa qui est passée sur un gros physique, sur un pressing haut, sur une agressivité forte. Et au bout d'un moment, malheureusement, l'effectif marseillais n'est
n'est pas assez large et très court, les joueurs au bout d'un moment commencent à tirer la langue et on le voit par Payet, par Thauvin qui font des très bons matchs mais qui sont les parfaits exemples de cette inconstance de l'OM depuis ces dernières semaines. Et voilà, c'est la condition physique qui fera que Marseille sera très très haut ou Marseille sera un petit peu moins bien. Parce que l'agressivité et le physique qu'ont montré les joueurs marseillais depuis le début de la saison avaient caché un petit peu on va mettre ça entre guillemets, mais la misère, avaient caché les lacunes techniques de certains joueurs. Et là, le physique ne tourne plus pour les joueurs de Marseille. Mais donc Ne tourne plus, t'es dur. Moi, j'ai l'impression que c'est collectivement. Manu, ils se sont fait manger par Montpellier. C'est ce que j'ai dit. C'est ce que j'ai dit. Collectivement, ils se sont fait prendre par Montpellier. Parce que autant Marseille a vu des lacunes techniques et tactiques, on l'a vu dans certains matchs, parce que Bielsa, et là, on l'a encore vu face à Montpellier, avec sa défense à 3. Mais physiquement, Marseille, depuis le début de la saison, ne s'était fait quasiment jamais avoir. Jamais. Et là, face à Montpellier, c'était impressionnant parce qu'ils se sont fait marcher dessus. Moi, ce que j'ai trouvé intéressant dans l'Olympique de Marseille dans la fin d'année 2014, c'est qu'on sentait quand même que Marseille était un petit peu moins bien en termes d'intensité que par rapport au début de saison, mais Marseille gérait très très bien ses rencontres. On en avait parlé, je crois, à l'occasion de diverses émissions justement fin 2014. Et là, c'est vrai qu'on a l'impression que le temps faible qu'ils sont en train de vivre, il est géré de façon plus difficile. Moi, j'avais une hypothèse que je voulais vous soumettre, et après on prendra un auditeur, bien entendu, qui va réagir sur cette question, un spécialiste, un Marseillais, vous allez le reconnaître à l'accent. L'hypothèse, c'est est-ce que quelque part ce que demande Bielsa est tellement exigeant par rapport aux joueurs et par rapport à l'implication des joueurs, est-ce que le fait qu'il y ait une coupure il y a quelques semaines, est-ce que c'est pas plus difficile de relancer la machine justement après une première partie de saison qui a été, on l'a dit, très exigeante pour les joueurs. On a toujours ces systèmes de préparation où alors les grands clubs, c'est ce qu'on a l'habitude de dire, c'est que les grands clubs sont préparés physiquement pour être au top en mars-avril. Exactement. J'espère que le PSG ce sera comme ça, même si j'y crois pas trop. On n'y croit plus. Alors que Bielsa, lui, physiquement, ils ont énormément mis en début de saison. En début de saison. Moi, ce qui m'impressionnait dans l'Olympique de Marseille de Bielsa, c'était les 20 premières minutes à chaque fois. Le pressing constant qu'ils arrivaient à mettre sur chacun des joueurs adverses, la récupération de balle qui était faite très très haute et on se projetait rapidement vers l'avant. Ça, c'est très dur. On l'avait dit, Greg, en début de saison. On avait dit que, attention, Marseille ne tiendrait sûrement pas ce rythme toute la saison. Et je pense que ça va de pair aussi avec le mental. C'est que après, les joueurs se disent on commence à être crevé. À l'entraînement, on y met un petit peu moins la semaine. Voilà. Bon, on a vu Payet par son manque d'implication. Pour moi, Marseille, c'est Payet. Quand Payet va bien, Marseille va bien. Quand Payet ne va pas bien, Marseille ne va pas bien. Les amis, on va accueillir tout de suite un auditeur et pas n'importe lequel, un autre spécialiste. Celui-ci nous vient de Marseille. C'est notre spécialiste olympique Marseille pour ce soir. Il s'appelle Petit Pont-Moulon. Et justement, pour accueillir le plus marseillais de ce plateau, ici sur la radio de l'Île-de-France. Bonsoir Petit Pont-Moulon. On t'a proposé une petite musique, bien entendu, qui va aller avec ton arrivée. Salut à toi. Bienvenue sur IDFM 98 FM. Bonsoir à tous. Comment vas-tu ? Ça va très bien, ça va très bien. Ah, il y a un accent, il y a un accent. Eh oui, ça fait plaisir. Ça fait plaisir d'accueillir les Marseillais sur la plus francilienne des radios. Mon cher Petit Pont-Moulon, qu'est-ce que toi tu penses en ce moment de cette trajectoire justement de l'Olympique de Marseille qui reste, on l'a dit, sur deux défaites consécutives ? Est-ce que tu commences à t'inquiéter un petit peu ou non, pas du tout ? Alors, je vais pas être original, je vais un peu rejoindre ce qui a été dit là, la dernière minute. Je pense que l'OM arrive à un point où l'effet Bielsa a été une bonne chose au départ. Peut-être que maintenant les joueurs dans la tête sont un peu moins bien et je pense que justement sur le terrain ça suit plus quoi. Je suis pas tellement sûr que ça soit un problème physique. Moi j'ai toujours du mal avec ça. Les mecs, c'est leur métier de jouer au ballon. Donc après, physique, je veux bien. Ils jouent pas non plus. Ouais, mais toi, quand par exemple tu travailles et que t'as envie de te reposer, tu poses des jours de vacances. Les joueurs marseillais, malheureusement, le banc est réduit. Il y a pas une grosse profondeur de banc. Et on le voit bien face à Montpellier, c'est Omrani, un joueur de CFA qui marque. C'est sûr. Mais après, ça c'est le lot de tous les joueurs de foot, des joueurs de repos. Il y a beaucoup d'effectifs qui tournent à 12, 13, 14 joueurs et avec quelques jeunes qui viennent. Là, nous, c'est vrai que l'OM, ils ont fait une première partie limite extraordinaire pour en arriver là, pour terminer champion d'automne, même si c'est qu'anecdotique.
c'était quand même très très jouissif, j'ai envie de dire. Surtout dépasser Paris et tout ça, bon, c'est les petits trucs qui viennent de chez nous, ça. Profites-en maintenant. On te recontacte le mois prochain. On te recontacte le mois prochain. Ouais, ouais, c'est probable. Moi, de toute manière, notamment sur les réseaux sociaux et puis autour de moi, je le dis depuis le début, moi, ce qui me plaisait, c'était de prendre du plaisir à regarder l'OM. Et je l'ai toujours dit, et limite, je vais encore le dire là, moi, pour moi, il n'y a aucune raison que Paris ne soit pas champion. Je suis persuadé qu'à un moment donné. Mais c'est super ce que tu dis, parce que là, depuis. Mais faut reconnaître, parce que là, ça va faire 2-3 minutes qu'on parle de l'OM, et entre guillemets, on critique la méthode Bielsa, alors que Bielsa a su apporter un vent de fraîcheur sur la Ligue 1, que ce soit par son discours, sa combativité, sa glacière, c'est génial. C'est son personnage. Et si les Marseillais demain terminent 2e ou 3e de la Ligue 1, ce sera super. Honnêtement, si j'étais supporter marseillais, moi, ça serait une grande réussite. Je signe maintenant, après je ne veux pas faire mon Giroud. Ouais, bien sûr. si on peut prendre le titre, je prends le titre. Cette année, on n'a pas de Coupe d'Europe, et d'ailleurs, l'effectif il est léger à cause de ça, j'ai envie de dire. Si l'année prochaine, déjà, on arrive à prendre l'Europe, ça sera très très bien. Ça voudra dire qu'on a terminé en haut et au-dessus de beaucoup d'équipes, notamment celles derrière qui on a fini la saison dernière. Après, moi, la méthode Bielsa, j'aime pas appeler ça la méthode Bielsa, mais bon, je l'appelle comme ça là parce que vous en parlez. Je pense pas que ça fasse forcément défaut sur le physique. Un petit peu, peut-être, mais après, je pense qu'il y a beaucoup dans la tête des joueurs. Et je rejoins ce que disait, je crois, Greg, c'est ça. Je pense que Payet, c'est pas pour l'accabler seulement lui, mais quand il est pas là, il y a quasiment pas de jeu, en fait. C'est le dépositaire du jeu, hein, on l'a bien dit, sûr. Hein, à Marseille. Voilà, bah, bien il y a sûr. Quasiment pas de jeu, et on l'a vu à Montpellier, il était pas là, et Nboula a essayé un peu, mais c'est pas suffisant, quoi. Nboula, il est intéressant quand, justement, Payet autour de lui est... ou des proches vous donne des propositions et après c'est donner des bons ballons. Et attention à Bielsa parce que bon, j'espère pas pour les Marseillais, mais la situation peut s'envenimer. Marseille, on sait que c'est très chaud. Bielsa est quelqu'un de très chaud. Si ça se passe un petit peu mal, si ça part au clash avec un ou deux joueurs, le garçon déjà n'a dit qu'il Bielsa n'a dit qu'il qu'il ne serait pas forcément là l'année prochaine. Il est engagé que pour un an obligatoire, voilà. Entre guillemets. Il a une option pour la deuxième année, mais c'est à lui de la lever. Ça a été très beau pendant la première partie de saison. Alors espérons pour les Marseillais que ça continue jusqu'à la fin de l'année. Mais ça peut devenir très moche parce que, un, le club, et deux, avec le garçon, ça peut être sur le grill et partir rapidement en freestyle. Il aura toujours. C'est bien pour ça que je signerai pour terminer même troisième. Hein, honnêtement, avec la première partie qu'on a fait, on ne pourra que être content, surtout avec la saison dernière. Et toi, de sa défense à 3, t'en penses quoi? Honnêtement, au tout début, même si ça n'avait pas forcément porté ses fruits, je trouvais ça très intéressant. Notamment, ça a permis de retrouver Morel. De découvrir Morel parce qu'on n'avait jamais trop vu un bon coup. Moi, je le trouvais, j'étais le premier à retourner ma veste. Morel, moi, je le soutenais à fond tout le début de saison. Mais c'est vrai que dès qu'on passe à 4, c'est beaucoup mieux. Forcément, il y a un joueur en plus. Ça soulage beaucoup Nboula, j'ai l'impression, quand la défense. Ça soulage Nboula. Ouais. Nboula, parce qu'on l'a vu à Montpellier, il a eu du mal. Hein. Voilà, ouais. Après, c'est un très bon joueur. Mais après, de là, lui laisser les clés du milieu comme ça. Il est trop seul quand il joue à 3. Ouais. Voilà, après, réussir tout ce qu'il a réussi en début de saison, tous ses crochets, machin. Maintenant, après, toujours pareil, les joueurs, après, il n'y a pas que l'OM où ils font de la vidéo. Donc à partir d'un moment, un mec comme Nboula, on arrive un peu plus à le cerner, quoi. Et donc, quand ça rate, quoi, hein, ça rigole pas. Merci à toi, en tout cas, Petit Pont Moulon, d'avoir été avec nous. Merci beaucoup. Bienvenue pour reparler de l'Olympique de Marseille. On prend note, on se rappelle dans un mois. Ça nous intéresse d'avoir l'interaction toujours avec nos amis sudistes et c'est toujours un plaisir. Juste si tu pouvais parler de tes activités, parce que je crois que tu donnes quelques infos. Alors, sur Twitter, c'est pareil, t'es très, très suivi, mais t'écris quelque part aussi, il me semble. Ouais, en fait, avec l'ami Guy Truitt, qui est plutôt bon, lui aussi, j'aime bien. On tient un blog qui s'appelle Le Football Vrai.
Ah, hashtag. On essaye, voilà, ouais, on essaye un peu de mettre en valeur, ben, nous on a la trentaine, on essaye de mettre en valeur le football qu'on a connu gamin. Mmh. Alors on le fait un peu, parfois ça paraît maladroit, mais on préfère, je mets des guillemets, un Benjamin Nivet, un Cristiano Ronaldo. Bien sûr. On sait pertinemment que c'est qu'il y a un trou entre les deux. Mais, trop fond. Mais voilà, après voir des mecs justement, mais je prends l'exemple de Benjamin Nivet ou Jérôme Leroy, voir des mecs encore être là, marquer des buts, mener leur équipe et tout. Même si c'est qu'en Ligue 2, ben moi je trouve que c'est intéressant parce que c'est un peu délaissé, je trouve, au milieu de tout le foot business. Bah, si. Je trouve que c'est intéressant de mettre un minimum de valeur. Alors après, le hashtag et le blog, c'est un peu, comment dire, ça fait un peu nuage comme ça. Mais, marketing un peu. On fait des vraies interviews, on fait des vrais papiers. Mais c'est génial parce que à côté du football, à côté du terrain, il y a tellement d'histoires à écrire, voilà, à raconter sur ce sport. Et c'est ce qui fait qu'il reste fabuleux et qu'on aime en parler des heures et des heures. Avec Greg, nous, on commande des matchs de CFA, CFA2. On vous attend chaque week-end pour venir regarder les matchs. FFF Dailymotion. Voilà. On essaiera de faire quelque chose, il n'y a aucun souci. Eh bien, écoute, en tout cas, merci à toi, petit Pont Moulon. Et tu as antenne ouverte quand tu veux, si tu veux réagir pour parler de l'actualité du foot vrai ou de Marseille. Merci à toi, bonne soirée du côté de Marseille. Bonne soirée. Voilà les amis, bah écoutez, on a fait un petit tour des stades et surtout on va aller dans un autre stade où ça a pas mal bougé, mon cher Valentin. Ça a pas mal bougé, c'est surtout que Bordeaux a enfin réagi. Énorme occasion, poteau sur un tir de Diego. Je crois qu'il y avait un but, non, c'était pas Diego Rolland. Un poteau de Mariano. Ah, c'est tu nous embêtes pour ça. Ah, mais bon, les gars, c'est vraiment la qualité du match. Il faut bien, il y a un énorme loupé ensuite de l'attaquant bordelais, mais voilà, ça reste à 0-0. Il reste petite dizaine de minutes à jouer. 0-0. Tu sais, il t'a fait des grands signes de bras. Moi j'ai cru qu'il y avait un doublé, tu sais, dans la même minute. C'est un peu soporifique, donc j'en profite un petit peu de prendre la main quand il y a quelque chose. Il s'ennuie un petit peu du côté. T'es dans quel stade là? Je suis à Louis II. Non, Valentin, c'est mon idole, mais t'aurais vu ses bras bouger. Je me suis dit merde, j'ai cru qu'il y avait eu. Non, mauvaise blague. Moi, je me suis dit 40 mètres de chèque d'Abatté, au moins frappe de 40 mètres. Non, en plus, qu'il est à la chèque d'Abatté. Non, il est même pas à la canne, il est blessé. Les gars. Voilà, c'est il m'a tué mon petit gazon, ma saison petit gazon. Ah oui. J'avais une attaque Cavani-Diabatté. Voilà. Bravo. Avant les vacances, j'étais heureux. Après les vacances, j'étais dépité. On vous donnera bien sûr des pronostics petit gazon, mes amis, tout au long de cette saison 2015, parce qu'il y a une fine équipe dans ce studio qui s'amuse. En tout cas, réagissez. Je vous rappelle idfm98.fr pour nous envoyer vos messages par internet. Et puis le 01 34 12 12 22 qui vous est bien sûr toujours ouvert. On va marquer une petite pause avant de rentrer dans le dernier quart d'heure de cette émission avec une petite chanson. C'est Lino qui fait son retour, c'est un garçon qui est du Val d'Oise. Il fait son retour, il a sorti son album la semaine passée et on va écouter un extrait de ce nouvel album, ça s'appelle Wolfgang. Et si je vous parle de Lino, c'est parce qu'on est en train d'essayer de travailler pour le faire venir dans cette émission. On travaille très très dur, je peux vous dire qu'il nous donne du fil à retordre ce garçon. Petite pause musicale et on revient bien sûr dans quelques instants. IDFM98.fr et surtout FM 22h42, c'est IDFM Sport. Je voulais écrire une merde positive, mais mon stylo refuse. Pour ceux qui voient la rue comme une mer, mes mots fusent. Au kilo, c'est mon refuge. Le rap traverse l'enfer sans ventilo, sans clim. Macadam philo, Beretta Franklin. Mon arme chante et je marche seul comme dit l'autre. Je vous laisse rêver d'un monde sans crime. Crever, je m'arrache sur mon îlot, douleur sans cri. Je suis revenu du brasier en footing. Je diffuse mon savoir, je fais des traves, pas un shooting. C'est mort, ça commence à se voir. Petite guérilla sur un son. Bavard, je mets un nègre en or, un pack de balles en guise de poinçon. Je laisse cogner mes verres, j'attends la pluie de météores. Les remords frappent à visage découvert. Donc je reconnais mes torts et j'appuie où ça fait mal. Le fond, la forme, mon harmonie. Y'a plus que des Tony, Manny, Nino et G-Money. L'amitié se monnaie, l'amour se planque dans un bar à hôtesse. La liberté à Oni, loin de nos tests. Je te rappelle les chroniques, d'un drame annoncé, vu que mon art proteste. Avec la même ironie qu'un canon scié. Mon nid, je l'ai fait dans une cible. Avant de partir au bout du monde, genre missile, je trace des terres comme un martyr au bout d'une bombe. La plage, c'est clair, ça tire, je crache du plomb. J'ai grandi ici des carters, entre le truand et le bon. Avant qu'on me l'artère, la vie, j'écris à l'encre de mes artères.
La foudre j'attire, j'irai au paradis en charter. J'ai le Peter Pan syndrome, mais sans la berceuse SVB. Cherche l'assassin de mon enfance avec un pompe sans le siège bébé. Musique à tête chercheuse, rêve d'une bombe à la Fashion Week. Trop en avance, j'ai mon LP dans la PlayStation 8. PFPP, on blesse apprenti punchliner. Pas facile de me faire l'œil du tigre avec du eyeliner. Rap Call of Duty en ce qui me concerne, j'adoucis pas les titres. C'est pas du Polanski, ma zik touche pas les petites. J'suis pas venu par les frics, j'ai pris la pilule rouge à Morpheus. Une mèche du plastique, j'fais du Wolfgang comme ma puce. La rue fait oui de la tête à chaque mesure que j'crache. Ça pue le classique, un son de crapule. Wolfgang, Wolfgang. Le béton, le plastique, je cache une menace sous la capuche. L'ambiance la brûle, Wolfgang, Wolfgang. Cycle de paria, les rats des blocs hors demande. Wolfgang, ça reste basique, les rats des blocs hors demande. On fait dans le tragique, je compose des gros concertos en do majeur. Wolfgang, Wolfgang, Wolfgang. Si les hommes naissent pour mourir, mes requiem sont des berceuses. Les flammes, je les nourris, j'écris des missives à tête chercheuse. Prêt à faire feu, le disque est sur la rampe de lancement. Un beat nerveux, un centre comme au commencement. Mon nom sur le missile, ça semble étrangement calme ici comme avant l'orage. Tu fais à tes homicides, tous mes vieux démons font plus leur rage. J'atteins mes cibles, je rappe, fauche les mots, le groove en l'aime sec. Je serais une légende vivante si j'étais mort au 18e siècle. Mais je sais pas mourir, faut l'admettre, je suis lucide et pas pressé. Comme si j'écrivais ma lettre de suicide sur mon avis de décès. J'ai pris des coups pour une vie parfaite, sans les menottes et le panier. Mon dégoût de la défaite est plus violent que mon envie de gagner. Viens pour brûler la fête, maintenant le feu, tu sais qui l'a mis. Je prends pas ma retraite, je leur passe leur lait, c'est un bâton de dynamite. Kick sur les gros tsunami dans un verre de vodka sec. La rue m'admire depuis l'époque du post-cassette. De l'art, la douleur, t'entendras pas mon microphone gémir. Y'a les génies, les escrocs. Moi je suis un escroc de génie. Un accro dans leur plan, je leur ai mis vu qu'ils veulent qu'on cesse. Les meilleurs partent en premier, sauf quand il est question de sexe. Rap Call of Duty en ce qui me concerne, j'adoucis pas les titres. C'est pas du Polanski, ma zik touche pas les petites. J'suis pas venu par les frics, j'ai pris la pilule rouge à Morpheus. Une mèche du plastique, j'fais du Wolfgang Amadeus. La rue fait oui de la tête à chaque mesure que j'crache. Ça pue le classique, un son de crapule. Wolfgang, Wolfgang. Le béton, le plastique, j'cache une menace sous la capuche. L'ambiance la brûle, Wolfgang, Wolfgang. Cycle de paria, les rats des blocs hors demande. Wolfgang, ça reste basique, les rats des blocs hors demande. On fait dans le tragique, j'compose des gros concertos en do majeur. Wolfgang, Wolfgang, Wolfgang. Wolfgang, c'était bien sûr Lino qu'on retrouvera. Ça, c'est une promesse sur IDFM 98 FM pour réagir sur son album et puis bien sûr parler sport parce que ça va être ça aussi un petit peu la doctrine de cette émission, c'est-à-dire de ramener des personnalités un petit peu qui ne sont pas forcément liées au football, qui sont peut-être dans d'autres milieux, mais leur faire parler de leur passion, à savoir le sport, bien entendu. Le sport, c'est également un sacré match. On va faire un point avec Valentin tout de suite du côté de Louis II à Monaco. Valentin, qu'est-ce qui se passe? 88e minute de jeu, ouais. 0-0 entre l'AS Monaco et les Girondins de Bordeaux. Tu sais, la question qui tue, tu sais, est-ce que l'enjeu a pris le pas sur le jeu ce soir? L'ennui a pris le pas sur le jeu. Je suis pressé de voir la note Canal. Ouais, c'est pas. Bah, je vous dirai la note de Canal dès que le match est terminé, mais c'est d'un ennui. C'est léthargique, quoi. Ouais, d'accord. Greg, un petit point, un score également sur les stades européens, pardon. Victoire de la Juve confirmée. 3-1, but d'Arturo Vidal à la 94e minute. Du coup, la Juve reprend un bon matelas d'avance sur l'AS Roma. Je crois qu'ils ont fait 4 points d'avance. Exactement. 2-2. 2-2 contre la Juve avec un énorme Francesco Totti qui a pris un selfie. Ouais, exactement. Et du côté d'Arsenal, Barcelone. Oh là là, je suis fatigué ce soir, les amis. Désolé. Barcelone face à l'Atlético Madrid, c'est pas la fin du match encore.
Les buteurs Messi, Neymar, Neymar Suarez contre Mandzukic. Et Podolski a pas mal balancé sur Arsène Wenger d'ailleurs suite à son arrivée en prêt à l'Inter Milan. Suivez ça bien sûr sur internet. On va tout de suite se projeter un peu sur l'actualité francilienne avec Valentin Paris. Ça arrive tout de suite, c'est l'actualité de l'Île-de-France. Les informations sportives dans votre région, c'est tout de suite sur IDFM Sport 98 FM. Oh. 22h49 sur IDFM 98 FM et l'actualité francilienne, mon cher Valentin, et du football. Au programme du football, du basket et du rugby. On commence par le foot en Ligue 2. Donc vendredi, Créteil a été tenu en échec par Auxerre à domicile. 2-2, les Cristiolins menaient 2-0 après 30 minutes. À noter une égalisation de Puy-Grenier à la 92e minute de jeu. Mais c'est mérité pour Auxerre, pour avoir vu le match. Et écoute Manu, t'es bien le seul à avoir vu le match. Nous avec Greg on travaille sur le foot vrai, les amis. On travaille sur le foot vrai, FFTV, foot amateur. Les Cristoliens se classent 16e. En national, le Paris FC, alors c'est étonnant de parler de champion d'automne en janvier, mais a été sacré champion d'automne grâce à sa victoire 1-0 sur le terrain de Bourg-Péronas. Le Red Star quant à lui a été tenu en échec sur son terrain face à Fréjus Saint-Raphaël 0-0. Une triste affaire hein, du côté du Red Star avec une petite embrouille entre Michel Estévan, pardon, le coach de Fréjus, et un membre de la direction du Red Star. Pardon Valentin. Il n'y a pas de souci Manu. En CFA, on fait un tour de nos clubs franciliens. Dans le groupe A, Ivry s'est incliné face à Quevilly 2-1, et toujours lanterne rouge de ce groupe A, l'Entente Sanosagracien s'est incliné face à la réserve de Lens à Michel Hidalgo 4-2. Et le match entre Mantes et Sedan qui devait se dérouler donc à Sedan a été reporté. Dans le groupe 2, Viry-Châtillon et Drancy se sont quittés sur un score nul, 1-0, tout comme Fleury, Mérogis et Belfort. Et Aubervilliers s'est imposé 2-1 face à la réserve de Metz. On passe au rugby maintenant et le Stade français, Greg en parlait tout à l'heure du top 14, le Stade français qui a largement dominé Castres 49-13 en empochant donc le bonus offensif. Et on peut aussi notamment parler du triplé de Sergio Parisse. C'est, je crois, ouais, que il a le même nom que toi, mais on dit le « et » à la fin. Voilà. Sergio Parisse qui a mis un triplé. Le club parisien est à égalité de points avec Clermont en tête du championnat. Je te coupe juste une petite réaction, Eddy ou Linden, si vous pouvez la lire, de Romano sur idfm98.fr. Romano qui nous dit: le Paris FC gagnera avec des champions avant le PSG. Sur Football Manager, il a oublié de préciser. Franchement, défi. On peut y croire parce que on ne sait pas. On ne sait pas quand le PSG va gagner la Ligue des Champions. Peut-être déjà, t'avais dit Bédimo meilleur latéral belge. Maintenant, tu me dis PSG pour remporter la Ligue des Champions. Peut-être qu'ils la gagneront pas d'ici 20 ans le PSG. Peut-être que le PSG va se faire acheter par des Saoudiens. Non, ça c'est faux. Ça, on vous le dit tout de suite. Si vous écoutez IDFM, c'est de la vraie info, c'est faux. Excuse-moi Valentin. C'était drôle. Pas de problème. Massy en difficulté en Pro D2 s'est imposé cet après-midi face à Mont-de-Marsan 39-32. Les Essoniens se classent 13e. Des nouvelles de Domont, les Domontois. Oui. Ça fait longtemps. Ça va pas fort pour les Valdoisiens qui se sont inclinés assez ça sèchement. Ça commence comme l'année dernière. Le c'est depuis que Valentin est ici. Oui, c'est vrai, c'est lui le chat noir. Le chat noir. Les Domontois se sont inclinés 20-0 face à Tours au stade des Fauvettes. Ils se classent 7e dans une poule de 10. Avec 14 points, les Domontois pointent déjà à 11 longueurs du 6e. Courage à eux en tout cas, courage à eux. C'est bien Valentin, un chat noir, on a une pensée pour toutes les familles de l'équipe en fait, ouais, c'est ça. Et on conclut avec le basket. Nous sommes les tous cop. Domont, pardon. Les Copes en tente Sergi Oni Pontoise en National 2 qui s'est incliné également ce week-end à Rennes 78-55. Le club valdoisien se classe 11e dans une poule de 14 équipes. Eh bien écoutez, c'est parfait. La semaine prochaine, je veux des nouvelles des Cougars de Saint-Ouen-l'Aumône également. En foutu S. Voilà. C'est... Ouais, pardon. C'est bon. C'est terminé. C'est terminé. Juste d'accord. Excuse-moi. Un petit mot pour le match. Ah bah oui, bah on va partir tout de suite à Monaco, bien entendu, puisqu'il y a des nouvelles fraîches. Messieurs et mesdames et messieurs, pardon. Le match vient de se terminer et donc le score nul est vierge 0-0. Voilà, c'est ça la Ligue 1. J'espère c'est que vous ça, avez kiffé. Attendez, il y a eu trop de renversements de situation. Le 2-0, 4-2 du PSG, Lyon qui prend la tête de la Ligue 1, Marseille qui perd à Montpellier. Non, il fallait revenir à quelque chose de naturel et propre à la France et propre à la Ligue 1. Bravo. Sur Twitter, le PFC fait réagir. On a Aurélien Lefebvre qui nous parle seulement du PFC qui pourrait remontrer en Ligue 2 et qui a une très forte rivalité avec Créteil. Donc ça serait déjà très intéressant au niveau de l'Île-de-France. Ça, c'est vrai que c'est bien de le dire parce que le PFC a une bien plus forte rivalité avec Créteil qu'avec le Red Star, qui est plutôt considéré comme un club ami. Créteil qui est
toujours pas sauvé en Ligue 2 par contre. Ah non, hein, qui est très loin d'être sauvé les amis. On verra, et le Paris FC c'est pas fait encore parce que on verra, on en reparlera, on fera tout un débat avec notamment les deux coachs hein, du Paris FC et du Red Star, c'est peut-être même prévu pour la semaine prochaine les amis. Aurélien, merci pour tes messages et on suivra ça. Exactement, merci également à Romano qui a bien suivi sur IDFM98.fr. Les amis, on est un peu à la bourre, 22h54 sur IDFM98FM. Je vous propose qu'on passe au dernier débat. Le débat qui va considérer. Ouh là là, c'est vraiment la fatigue. La semaine a été dure hein, entre les attentats, le foot hier et l'émission ce soir. Il est temps qu'on aille se coucher. Oui, le débat qui concerne la millième victoire de Roger Federer. J'y arrive. Et c'est l'heure du premier débat. Vous écoutez IDFM Sport sur 98FM. T'as des moufles, Manu, pour les jingles, ça se passe comment ? C'est compliqué, je vous ai dit ce soir. Les amis, Federer, millième victoire, on va se poser une question très rapidement et faire un tour de table. Est-il le plus grand joueur de l'histoire du tennis ? Greg ? Oui, bien sûr. Ouais. Ouais, il a tout gagné encore plus avec sa victoire en Coupe Davis. C'est la confirmation pour toi justement qu'il est le numéro 1. C'est pas cette millième victoire qui le fait, on le pensait tous déjà avant. C'est lui, c'est le génie du tennis et toutes les gloires précédentes qui ont évolué dans ce sport le disent que c'est le meilleur joueur de l'histoire. Mmh. Voilà. Eddie, pareil, toi t'es grand, savez, grand fan de Federer. J'ai déjà fait mon coming out il y a 2 ans en avouant que je voulais me marier avec Roger Federer. Non, je plaisante. Pendant le mariage pour tous, en plus voilà, en pleine polémique, le mec a fait ça. Polémique, c'est ça. Bien évidemment, pour moi, Roger Federer, plus qu'un grand tennisman, c'est un homme de classe. Il a un réel style, il vole sur le terrain, Roger Federer. C'est quelque chose. Et puis c'est un champion, c'est une autre race, c'est autre chose. Moi, ce qui marque chez Roger Federer, c'est chaque année, quand il se fait éliminer à Roland-Garros, il est tout le temps en larmes. Cet homme a tout gagné, il a tout gagné. Et quand il se fait éliminer en 8e ou en quart ou en demi de Roland-Garros, c'est un jeune premier. C'est comme si sa vie, enfin pas sa vie s'effondrait, mais comme s'il avait tout perdu. C'est ce que j'aime chez les champions, c'est ça, c'est cette rage de vaincre et l'envie de tout gagner à chaque fois et de s'écrire et inscrire l'histoire de son sport. Bravo à lui. Ce qui est intéressant, c'est que en fin d'année, pas précédente, mais l'année d'avant, on le pensait perdu. Quand il avait perdu au deuxième tour de Wimbledon, au troisième tour de l'US Open, on s'était dit « Ah, ça y est, c'est la fin de Roger Federer. Le garçon est un génie. Il s'est mis en condition pour revenir à son meilleur niveau. Il a fait une intersaison l'an passé qui était extraordinaire. Il est resté tout seul à Doha. Il s'est entraîné pendant 2 mois tout seul pour se remettre en condition physique. C'est un champion. C'est un champion. » Juste pour dire qu'il y a certains Français qui devraient en prendre de la graine. Exactement, à travailler sérieusement. Notamment Joe Wilfried Tsonga. Mais même tout le monde sans le nommer. Non, mais c'est scandaleux ce qui se passe avec Joe Wilfried Tsonga qui a été déclaré forfait pour l'Open d'Australie. Ouais. Qui n'a pas joué le dernier match de Coupe Davis, qui est parti 3 semaines, qui a joué tous ses matchs d'exhibition. Voilà, qui a pris des gros chèques, qui a joué tous ses matchs d'exhibition et qui l'a déclaré pour le forfait pour l'Open d'Australie. Voilà. Les amis, décision à l'unanimité sur Roger Federer, on va pas y passer plus de temps, oui Greg ? Juste, il ne battra pas le record de Jimmy Connors de ses 1269 victoires sur le circuit. Ça fait un peu short. C'est dans la mesure où, même s'il fait encore 3 grandes saisons, c'est 65 victoires par saison. On n'arrive pas aux 1269 de... Comme mais ça. Il va dépasser Van Lendel qui est à 1070. Mais en face, il y a une adversité qui n'est peut-être pas aussi à l'époque. La seule tâche, entre guillemets, que les anti... enfin, on va pas dire les anti-Federer, mais on va dire plus ceux de la team Nadal. C'est comme ça qu'on dit, la team Federer. Team Nadal. Ceux de la team Nadal seront toujours là pour vous dire quand vous parlerez de Fred Federer de ce moment de la carrière où Federer avait ce petit blocage psychologique un petit peu comme le Real face au Barça. Bah Federer face à Nadal, il perdait tous ses moyens. Mais même s'il avait gagné tous ses matchs contre Nadal, il n'aurait pas atteint les 1269 parce que Connors a joué 25 ans sur le circuit. Les amis, on va clôturer cette page, bien entendu. Il nous reste 2 minutes très précisément, mon cher Lyndon Lutello. On va passer à ta chronique très rapidement. Quand les sportifs imitent le plus grand des tweetos, c'est toute la planète Buzz qui s'affole. Place à la semaine Twitter de Lyndon Lutello. Vous avez entendu mon cri, j'étais pas prêt. T'étais pas prêt, en effet, j'étais bien un petit bête. Et justement, tu voulais commencer par un hommage. Je voulais commencer Twitter. Un petit hommage donc, parce qu'on a appris le décès du joueur donc Junior Malanda, le joueur de Wolfsburg, international espoir belge, très gros espoir de football belge, mort dans un accident de voiture. C'est très triste. Donc, on a une grosse pensée pour lui et sa famille. Voilà, et puis courage à ceux qui le soutiennent, parce que je sais que j'ai beaucoup de proches qui le connaissent. Donc, voilà, c'était important de parler de ce joueur. Mais tu veux pas pour l'Afrique du Sud ? Non, international espoir belge.
Ah, j'ai cru qu'il partait à la CAN. Il partait en stage en Afrique du Sud avec l'équipe de Wolfsburg. Et on a une pensée aussi pour Olivier Schwartz, notre confrère de RMC, disparu tragiquement cette semaine. Excuse-moi, Linden. Non, mais semaine très difficile, donc c'était quand même important de dire qu'on les soutenait, qu'on avait une grosse pensée pour eux. On va aller très vite. Alors, j'ai une 14, mais on va faire beaucoup moins. Je vais juste prendre alors quelques hommes. Je sais plus. Alors, on va parler actuellement des attentats qui ont eu lieu. Alors, on a eu Plot du jour qui nous disait Hamedi Coulibaly semble prêt au combat, mais une prise d'otage, c'est aussi de la technique. Il faut de tout. Donc, il parlait par rapport à Willy Sagnol. Et puis, les CRS. Non, pas celui-là. Et puis, les CRS du GIGN qui ont fait une très belle mission ont été repérés. On a eu alors. Dagrit Leder qui nous dit merci à Balmont Jallet pour cette intervention d'une justesse incroyable. Ou encore Zénon Zagdin qui nous dit Stéphane Ruffier, c'est lui qui est entré le premier en tenant le bouclier, porte de Vincennes. Voilà, merci pour tout, c'était tout pour la chronique Twitter. Et on peut dire au revoir et bonne nuit à tous. Il fallait rire, mettre un petit peu d'humour dans cette semaine qui a été tragique. Merci à toi, mon cher Linden. Greg, un message sur IDFM90.fr de Romano. Dans l'humour, Federer est né à Bâle, donc il a fait son trou dans le tennis. Bravo. C'est le mot du jour. Romano est notre chouchou dans cette soirée. Manu, je souhaiterais juste conclure sur la note de Canal 7,56. Eh ben écoutez, on va refermer ce IDFM Sport de la sorte. Merci à vous tous. Messi a marqué 3-1. Voilà, eh ben écoutez, on a tous les résultats. Il nous reste 5 secondes. Merci à tous d'avoir participé à cette émission. On se retrouve la semaine prochaine, 21h30, 23h sur IDFM 4. Vous écoutez IDFM. Il est 23h.